Bonjour, bonjour. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue. Donc ici, je vais donner quelques éléments qui vont vous aider. Et le but, c'est que vous identifiez et que vous combattiez les échanges de destinée. Je mets la lumière. Que ce que je vais dire vous éclaire. Tout endroit où vous étiez endormi. Que vous vous réveillez. Toute personne qui tire avantage de votre faiblesse. Toute personne qui est à côté de vous, je dis bien toute personne qui est à côté de vous, qui vous observe, que cette personne ne vous voit plus. Attendez, je règle une petite situation. Ok, c'est fait. Ne négligez pas ce que je vais vous dire ici, parce que les agents de lumière ont malheureusement des personnes qui les approchent. Et ces personnes portent des esprits qui viennent pour voler votre destinée. Donc, je vais disséquer ça avec vous.
J'ai une jeune fille qui me suit depuis un bout et je pense qu'elle a arrêté de me suivre. Elle a eu une situation qui s'est passée et ça. Je vous avais déjà raconté cette histoire. Bonjour, bonjour. Je vous la raconte à nouveau pour que vous puissiez avoir une idée. Cette jeune fille dont je parle, elle est encore au Cameroun de nos jours. Donc, dans sa jeunesse, elle avait une amie. Vous voyez ces personnes qui viennent vers vous et qui font semblant. Oh! Oh! Mais tu es tellement. Je peux t'aider à faire quoi? Je peux t'aider à faire quoi? Donc, la jeune fille approche. Cette demoiselle, elle devient son amie. Chez nous, les Camerounais, on appelle ça Tchinda. Elle devient celle qui porte son sac. La jeune fille Tchinda, elle n'est pas belle comme on va l'appeler celle-ci Cendrillon. Tchinda n'est pas aussi jolie que Cendrillon. Et Cendrillon ne connaît pas qu'elle porte quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Tchinda vient tous les jours traîner avec Cendrillon. Tu pars où? Tu fais quoi? Elle veut connaître les amis de Cendrillon. Elle veut se lier d'amitié avec Cendrillon. Parfois, elle va même venir dormir chez Cendrillon. Elle va au lieu de travail, elle attend. Elles étaient déjà devenues tellement proches. Et c'est facile pour ces serpents de. Venir se coller. Cendrillon chantait très bien. Donc, elle travaillait dans la journée et la nuit, elle chantait souvent à des événements. C'est ainsi qu'on l'invite à un événement. C'est une Camerounaise, donc ça, c'est quelque chose qui se passe au Cameroun. Elle arrive à l'événement, elle a rencontré Eto, Samuel Eto fils. Des personnalités, des ambassadeurs, des ceci. Elle chante. Son étoile est tellement forte. À la fin, un monsieur l'approche. Il lui dit, je veux ton numéro. Elle donne le numéro. Le monsieur commence à chatter avec elle. Le week-end qui suit, le monsieur l'invite dans une autre ville. Il a pris une suite, la suite princesse de l'hôtel. Tu vois une jeune fille qui, enfin, côté revenu, c'est pas comme ça, elle avait beaucoup. Si tu ne me sens pas, tu quittes. Je suis le parfum. Donc. Elle passe le week-end avec lui. Il lui dit, le genre que je vois quand tu es là, je veux seulement t'épouser. C'est quelqu'un qui était installé à l'étranger avec sa femme et ses enfants. Il lui dit, je viens régulièrement. Tous les mois, je suis au Cameroun. Je veux faire ma vie avec toi. Je veux que tu sois ma femme du Cameroun. Écoutez bien. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Il se sépare, le monsieur lui dit, bon, on se voit la semaine prochaine. Et quand le monsieur la rencontra à l'événement, elle lui a présenté en passant que voici ma copine, Chinda. Cendrillon avait présenté brièvement Chinda au monsieur. Chinda va dans le téléphone de Cendrillon. Elle prend le numéro du monsieur. Elle appelle. Quand elle contacte le monsieur, je rappelle que cette jeune fille, Cendrillon, apprend la vraie version de l'histoire 4 ou 5 ans plus tard.
travaille sur Cendrillon. Cendrillon reste un jour et me dit que j'avais une amie ici un jour. On était bien amis, amis. Après, elle est partie au Canada. Elle me contacte la nuit dernière. Elle me dit qu'elle me demande pardon. Que si elle ne vient pas se confesser, c'est que ça ne va pas aller. Et l'histoire de Chinda, c'est quoi? Chinda lui dit, je vais te raconter tout. À l'époque, quand le monsieur lui a fait des promesses, ils ont commencé à se texter. Donc ces gens, Chinda demande tous les jours, comment ça va avec ton gars? Ah non, ça va. Après un moment, elle écrit au monsieur. Le monsieur ne répond plus. Elle écrit, le monsieur ne répond plus. Après un bout, elle-même, elle se dit que, ah, elle laisse. Elle continue sa vie, non? 4 ans plus tard, elle dit que Chinda vient lui dire que je dois t'avouer ce qui s'est passé. Chinda lui dit que j'ai pris le numéro du monsieur dans ton téléphone. Je l'ai contacté. Je lui ai dit que tu es prostituée, tu es ceci, tu as mis à ton gars, tu as ceci. Racontez tellement de choses. Charmez le monsieur. Je suis sûr que si on check, Chinda a même pratiqué. Il a commencé à sortir avec moi. Chinda était à côté de la fille chaque jour. Elle ne lui a jamais dit que je sors avec ton gars. Tout ce qu'elle sait, c'est seulement que le monsieur l'a quitté. Il a arrêté de répondre à ses messages. Après, elle a dit au monsieur qu'elle veut partir. Amen. Qu'elle ne veut même pas rester au pays. Le monsieur a fait ses papiers. Elle est partie. Elle arrive au Canada. Elle s'installe avec le monsieur. Elle obtient ce qu'elle voulait du monsieur. Les papiers, tout, 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 tout. La position. Après, elle largue le monsieur. Elle dit, je te contacte parce que tu connais quand j'étais au pays avec toi. Si tu tombes sur cette histoire, je relate ton histoire, je ne t'ai pas nommé. J'espère que ça ne te dérange pas que je partage ton histoire. Elle dit, quand j'étais au pays avec toi, tu priais souvent pour moi. Essaie de choisir si c'est une fille que, quand elle met son cœur, elle prie pour toi. Si elle avait n'importe quoi qui te bloquait, ça va se débloquer. Elle dit que je me rappelle que quand elle était au pays, tu priais pour moi. En fait, elle avait une maladie dans la poitrine, je ne sais pas, un asthme bizarre compliqué. Et quand Cendrillon priait pour elle, Chinda guérissait. Elle dit que tu sais, les médecins m'ont donné quelques mois pour vivre. La même maladie que tu connais là. Je suis ici, on m'a soigné. Au niveau où j'en suis, on ne peut plus rien faire. Je te dis comme ça là pour que tu me pardonnes et que tu pries pour moi. Écoutez bien. Je reviens sur l'histoire. La destinée de cette jeune fille, Cendrillon, ça devait être d'être bien avec le monsieur. Peut-être partir en Europe. Avoir aussi sa situation. Cette jeune fille, Chinda, qui a volé le numéro du monsieur, saboté la jeune fille. Elle a volé la destinée de Cendrillon. Elle a changé la destinée. J'ai déjà raconté cette histoire dans un live, mais cette histoire a un lien avec ce que je vais dire aujourd'hui. Il y a des gens qui s'approchent de vous. Écoutez bien. Leur motif. Parfois, ils vous font tellement de bien. Vous me dites, hey, tu es trop gentil comme ça, pourquoi? Pourquoi tu es trop gentil comme ça? Ils veulent entrer dans votre chair, sous votre peau. Devenez amis avec vos amis. Après, ils vont les monter contre vous. Et ces personnes-là, généralement, quand vous êtes en froid, la façon dont ils vous parlent ou ils vous insultent, c'est comme des piquants sur vous. Et quand ils vous trouvent, vous êtes généralement sur un piédestal. En amitié ou parce qu'ils sortent avec vous, elles sortent avec vous, automatiquement, ils montent à votre dent. Tu t'appelles reine telle chose. Quand tu sors avec un mec,
Il s'appelle roi. De toute sa vie, même à 50 années lumière, l'homme ne pouvait jamais s'appeler roi quelque part. Parce qu'il est avec toi, il s'appelle roi. Après, la tactique qu'ils vont utiliser, ils vont commencer à vous manquer de respect. Combien de personnes m'ont trouvé sur la page si on voulait me manquer de respect? Je suis la première sur les réseaux sociaux qui parle de bain de sel. Je suis la première qui commence à dire roi et reine. Maintenant, comme tout le monde s'appelle roi, après vous venez me manquer de respect. Ils s'approchent de vous, ils ont un objectif. Et vous le sentez. Vous sentez ça en vous. Vous n'êtes pas fou, hein? Je fais ça comme ça pour éveiller vos consciences. Vous n'êtes pas fou. Donc je rappelle que mon numéro, c'est le 237-693-50-22-66. Faites attention parce qu'il y a des arnaqueurs qui vont vous contacter avec mes vidéos. Faites attention. Merci. Quand ces personnes vont venir vers vous, vous vous donnez toutes les éloges. Oh, le kit mari de nuit est disponible. Oui. Oh, ma reine, ma douce reine, faites très attention aux compliments trop accentués. 237 693 50 22 66. J'ai un événement à Abidjan. Le 26 octobre, je vous reçois gratuitement à Abidjan. Donc, on va passer une journée ensemble. Ce sera, c'est le premier des événements. Avant, je les faisais à Douala. J'ai arrêté pendant un an. Vous venez, on va faire des prières. Vous allez poser des questions. On va parler. Je ne vais pas faire de flyer. C'est ceux qui suivent mes directs qui vont venir. Et je vais prier pour vous. Si vous avez quelqu'un qui est malade, venez avec la personne le jour-là. Voilà. Vous notez, vous notez. Chaque jour, j'en parlerai dans mes directs. Abidjan, ce sera à l'hôtel Palm. Palm Hôtel. Attends. Hôtel Palm Club. Voilà. Palm Club Hôtel. OK. Ce sera ici, à Abidjan. Ces personnes vont venir avec une subtilité. Parfois, la personne te complimente, tu ne vois pas ce que tu as fait. Elle donne les éloges. Et on applaudit pour qui? Tous les mecs qui s'approchaient de moi, c'était le goût. C'était les goûts de Tachina, non? Voilà. Tu fais deux semaines, tu n'as rien fait. Elle arrive, elle te fait un cadeau. Ah non, tu sais, ouais. Nguento, Mamito, les éloges. Et quand les éloges la sautent, c'est sur ton conjoint. Tu te dis que c'est. Tu me fais le cadeau, pourquoi mamie? Ce n'est pas mon anniversaire. La personne a besoin d'entrer dans toi. La personne a besoin d'entrer dans toi. Ça peut être une meilleure amie. Ça peut être un copain. Tu vois le genre d'homme que tu rencontres. Toi-même, tu sais que tu n'es pas, il n'est pas ta carrure, qu'il ne te vaut même pas la cheville. Tu sais que l'homme-ci, il ne m'arrive pas à la cheville. Chaque fois que tu avais un homme, tu dis, ah, c'est pas amour. Parce que ces gens-là n'ont plus peur. Même les hommes volent les destinées des femmes. Écoutez, les hommes volent les destinées des femmes.
Si tu étais seul, tu allais te discipliner. Tu allais faire tes papiers. Après, tu travailles. Après, tu fréquentes. Après, tu fais ton boulot. Après, tu payes ta maison. Tu le rencontres. Bébé, pendant que tu fais l'enfant, laisse-je pas à l'école, non. Pendant que tu fais l'enfant, deuxième enfant, laisse-je, je travaille, non. Pendant que tu fais l'enfant, ouais, l'argent des allocations de l'enfant, là, hein, bébé, mettons ensemble, on construit la maison dans mon village, non. Tu passes 10 ans avec le mec. Vous avez payé la maison, comme tu ne travaillais pas, on a fait l'achat à son nom. Tu ne travailles pas officiellement, mais tu coiffes à la maison. Si on regarde même bien l'argent que vous avez payé la maison avec. Oh, carababa, il a maman son tour. Les carababa. Tout ce que ton ex a volé dans ta vie. Comme tu m'écoutes, je restaure. Tout ce que ton ex a volé comme rêve. Parfois, tu restes, tu es l'ombre de toi-même. 4 enfants plus tard. Vous vous séparez, tu fuis, tu le laisses à la maison. Tu lui laisses la maison, tu lui laisses la voiture, chérie. Il a volé ta destinée. Quoi que vous me disiez. Que, oh, je vais refaire encore. Oh, t'es 10 ans. Il a volé. L'énergie que tu aurais pu utiliser. Construis ta carrière. Lancez tes deux business de côté. Finir votre maison village. Fais ceci. Ils viennent à côté de toi. Voilà, ton ex-mari. Depuis que tu es parti, sa vie est en pause. Il volait ses choses chez toi. Il y a les hommes avec lesquels tu es. Ils volent tes idées. Est-ce que vous savez que nous sommes des femmes activatrices? Hein? Nous sommes des femmes activatrices de destinée. Ça peut aussi marcher pour les hommes. Hein? Que les hommes ne se sentent pas mal dans mes directs. Que, oh, tu vois. C'est parce que jamais ils parlent de ma copine, ma soeur. Maintenant, tu changes, tu mets frais sur ça. Hein? Tu commences avec l'homme. Il y a même des hommes que. Quand il est avec toi, il commence à avoir les dons prémonitoires. Quand il est avec toi, tu dis, mais l'homme c'est à la voyance. L'homme c'est à la voyance, je vous assure. Ce n'est pas lui, hein. Ça vient de toi. C'est pour ça que depuis qu'il t'a quitté, il y a même des femmes qui soignent. Tu commences avec un homme. 2 ans plus tard, c'est donc de soigner les gens s'activent. Oh. Oui, ils commencent à te concurrencer. Ils volent tes clients. Ça m'est arrivé au moins sur 3 relations. Je me rends compte que l'autre va voler mes clients. Dès que je quitte la personne, ils calent là où je l'ai laissé là. Ils calent là où je l'ai laissé. 5 ans plus tard, tu tombes sur lui que, hey, papa, il y a un comme ça, je me rappelle. En 2021, je l'avais surpris en train de parler avec une de mes clientes. Et il faisait un peu genre, je vais te coacher, je vais te... Et c'est le genre de gars qui peut même sortir avec tes clientes pour t'humilier même. On s'est retrouvé 3 ans plus tard. Je l'ai rencontré dernièrement. Son même esprit, mesquin, serpent là, ça n'avait pas changé. Mais il n'était nulle part avec la 10. Nulle part. Jusqu'à dire que tu n'es pas censé me quitter. Je vais construire un empire avec toi. Ah! Tu es mon agent. Parfois, les gens là vous parlent, c'est vous qui n'écoutez pas. Oh! Parfois les gens là vous parlent, c'est vous qui n'écoutez pas. Oh. Parfois quand tu quittes un homme, il pleure. Il ne pleure pas parce qu'il t'aime. Il ne t'aime pas, chérie. Il ne pleure pas parce qu'il t'aime. J'ai envie de faire le direct de bois. Je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui.
pas parce qu'il t'aime. Tu me suis, non? Le gars ne pleure pas parce qu'il t'aime. Il pleure parce que il sait que quand j'avais un problème, la femme se m'encourage toujours. La femme se m'encourage. Dès qu'elle rentre le soir comme ça, elle dit que non, chérie, ne te dérange pas, ça va aller. La nuit, elle rêve. Elle se réveille le matin. Elle te dit que j'ai rêvé. Tu es tenté de faire comme ça. Il pleure parce qu'il a sa voyance gratuite avec toi. Il sait que c'est la voyance là qui est en train de partir. L'autre m'avait dit que quand je suis avec toi, tout mes business marche, ça avance. Dès que je te quitte, tout se bloque. Hey! Tu l'as laissé là-bas, il est maintenant l'ombre de lui-même. Donc tu te lèves le matin comme ça là, tu restes comme ça, tu dis que non. Vous êtes leur secrétaire. Vous êtes leur secrétaire. Vous êtes leur coach. Vous êtes leur comptable. Vous êtes leur conseillère. Je ne sens pas ton ami là. Ton ami, c'est là. Il faut... Non, ne dis pas avec lui. Un mois plus tard, il t'a dit que hey, est-ce que tu connais que le deal que tu m'as empêché de faire là? J'ai mes amis qui sont partis faire. On a pris tout leur argent. Hein? Que sa voyante était venue. Sa voyante qui est toi, non? Tu lui avais parlé. Oui. Ces personnes utilisent un rituel pour vous décourager. Le rituel de l'humiliation. Le rituel de l'humiliation. Je suis en direct. Le rituel de l'humiliation. Quand il te trouve, tu ne manques pas de quelque chose. Qui te suffit. Tu as tes choses. Il arrive. Il m'a raconté une histoire. Elle est dans le direct d'ailleurs. Je ne fais pas la voyance, quittez-la. Voyance gratuite, en tout cas pas. Elle dit que elle trouve le monsieur, il n'a pas de papier. Pas de boulot. Elle habille. Ah, voilà tout ça. Jusqu'à j'avais postulé pour lui. C'est où il travaille depuis 10 ans. Tu l'as porté, tu l'as mis au plafond de sa vie. Ne sois pas surprise qu'il prend sa retraite dans 10 ans ou 20 ans dans cet endroit. Tout donc, l'habiller, l'encourager, faire son CV. Faire son CV. Déposer. Appeler même les gens pour demander. Qu'en est-il du boulot que je cherche? Qui cherche? Hein? Dès qu'il trouve le travail, il va demander que tu as même fait quoi pour moi? Qu'est-ce qu'elle fait même dans ma vie? Hein? Qu'est-ce qu'elle fait même dans ma vie en fait? Quand je regarde même bien la femme-ci, en fait, elle ne fait rien pour moi. Comme ils se sont quittés là, il est toujours au même endroit, au même poste. Pas de promotion. Pas d'augmentation, rien. Tu vois, dans le moment, ton salaire est de 100 euros tous les 18 mois, ce n'est pas une augmentation ça. 100 euros tous les 18 mois, c'est quoi? On parle déjà quand tu fais 3 mois, on dit que monsieur, on voit 500 euros d'augmentation. C'est ça l'augmentation de salaire. Tu fais encore 3 mois, on dit que... Moi, au contraire, quand je priais avec mon ex, ces choses ne marchaient pas. Il avait un mauvais fond. C'est Dieu qui t'aidait même. Dis grâce, Dieu t'a trop aidé. Dieu t'a trop aimé. Voilà alors un autre. Ça, c'est une autre... C'est une autre façon de détecter les gens qui sont là pour voler votre destinée. Il arrive dans ta vie. Il suce tous tes sujets de prière. Tu arrives à un lieu sacré. Tu te lèves le matin. Tu veux prier. Seigneur, sauve-le. Seigneur. Tu sais que les agents de lumière ont quelque chose en eux. Quand ils prient,
S'il prie avec quelqu'un, c'est comme si en toi, il y a une énergie qui fait que tu veux toujours diriger tes prières vers la personne. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué? Quand tu pries avec tes enfants, tu as tendance à prier pour tes enfants, non? N'est-ce pas? Hein? Quand tu pries avec ton gars, tu as tendance à diriger tes prières, genre, oui. C'est quand tu es seul que tu deviens le maître de tes prières. L'autre jour, j'allais à l'aéroport, donc on était en train de me déposer. Et j'avais ma fille dans la voiture. Donc, sur le chemin, on faisait le chapelet, elle et moi. Je me suis rendu compte que trois sujets de prière, donc les trois dizaines, tout ça, c'était ma fille, donc deux dizaines. Deux dizaines, c'était ma fille, une dizaine, c'était pour mon ministère, et une dizaine, c'est pour moi. Après, il dit à ma fille que je ne prie jamais autant pour toi. Allô? Oui, bonjour. Très bien, très bien. C'est comme ils t'ont dit là, tu leur donnes 50 000, tu retires 300 000, tu leur donnes 30 000, pardon. 300 000, tu leur donnes 30 000, tu gardes le reste. Hey, ça c'est pas la sorcellerie. Ça va. Non, laisse, si tu fais ça, ne marche pas, laisse. Il y a quelqu'un qui me veut du mal. Laisse, tu as compris, laisse. Je vais revenir faire ça, je vais revenir autour là-bas faire moi-même. Tu as compris, laisse. Ne force pas. Oui, donne-leur le téléphone, pardon. Merci. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui se croit très sage ici là avec moi. Decepticon, voleur de destinée. Aïe, aïe, aïe. Please inform Akige that they should hold the phone properly. Ça, c'est comme ça, une personne qui est très sorcière que j'ai sortie de ma vie. Et la personne a essayé de faire quelque chose pour me bloquer. Mais donc, vient de m'annoncer maintenant. Vous voyez les gens qui vont les dessiner. Pendant qu'elles parlent d'eux, c'est là qu'ils apparaissent. Mais ils sont très petits. Ils sont petits. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Que quand je me suis rendu compte que quand je priais beaucoup pour elles. Et je me suis rendu compte qu'il y a les gens qui savent que la femme s'y prie. La femme, si elle est toujours motivée. Non, elle n'est jamais découragée. Et le truc, c'est que ces personnes-là, ils veulent s'élever à votre rang, mais ils ne croient pas en vous. Ils te laissaient prendre les devants parce qu'ils t'avaient checké. Hey! J'avais oublié l'autre là. Ils ne croient pas en vous. Non. Ils n'ont pas peur de vous. Ce que tu dis là m'a permis de modifier ce que j'allais dire. La personne peut savoir que tu es une femme puissante. Mais il ne sait pas que si tu mets tes genoux au sol, ça va le bloquer. S'il te fait du mal. Je ne sais pas, mon petit. La personne connaît qui tu es. Ils vont exploiter ce que tu portes. Mais il ne peut pas croire en ce que tu portes. Le nombre d'hommes avec lesquels j'ai été. Le nombre d'hommes avec lesquels j'ai été qui n'ont jamais cru en ce que je porte. Il n'a pas honte de venir dire que je vais te faire du mal. Donc il est avec toi, il sait que si la fille s'est fait quelque chose sur moi, ça va marcher. Mais il croit que c'est seulement le bon côté. Une fois, je suis sortie avec un mec. Il était tellement méchant. Je prie pour lui, ces choses marchent. Je prie pour lui. Et je lui disais toujours que le revers de ma chose est, je n'ai pas besoin de prononcer une parole négative contre toi. Parce que je travaille avec mes guides. Chaque fois qu'on se séparait, le lendemain, dès le lendemain, accident, vol, perte de ceci, perte les clés de sa maison, perte les clés de ceci.
Ah. Je me rappelle une fois, c'est quand on s'est séparé, on était en train de s'engueuler, on s'est séparé. Je lui ai dit que, comme tu es en train de partir comme ça, ne m'appelle pas dans une semaine. Tu me dis que tes choses ne marchent pas. Ah, au nom de Jésus, ça ne peut pas. Au nom. Le tout là, c'était le hélélé. Il est revenu avec une grosse blessure. Que je suis tombée de la moto. J'ai battu, fait ceci, j'ai eu l'accident. J'ai fait comme ça. Mon téléphone s'est cassé. Est-ce qu'elle pouvait lui dire que je t'avais dit? Il lui dit que même s'il est pris, même s'il m'était dit ok, pardonnez-lui. Toi, ton cœur n'est pas clair vis-à-vis de moi. Les gens qui viennent pour voler votre destinée, ils vous ont checké. Ils vous ont checké. Parfois, tu rencontres un homme comme ça. Sa main marche. Comme ils aiment dire que ma main marche. Hein? Ma main marche, oui. Sa main a marché. Sa main a marché. Et parfois, ils sont partis t'attacher. Que la femme, si comme elle avait moi, elle va monter, descendre. Même si elle me trouve sur une femme, elle ne me quitte pas. Je vous dis. Même si elle me trouve sur une femme, elle ne me quitte pas. Il connaît que tu pries pour lui, ça marche. Mais il ne sait pas aussi que comme il peut travailler sur toi là, c'est que ça va marcher pendant un mois, un an, deux ans, trois ans. Mais le retour, il y en a, il y a certaines de ces sondes dans mon direct. Comme il dit que le retour, comme si on a dit que elle peut faire quoi? Elle peut faire quoi? Le retour de ça, c'est amer plus que le bitalef. Le truc, c'est que parfois, vous ne... Je parle aujourd'hui parce que je veux que tu te rendes compte. Certaines de ces personnes, Dieu vous protège d'elles comment? Tu veux faire quelque chose pour lui, ça ne marche pas. Tu le rencontres, tu dis que non, tu sais quoi, je connais le ministre de tel truc, on va faire ton passeport, oui, on va demander ton visa. Tu prends cinq personnes, tu les passes dans le réseau. Est-ce qu'on a besoin de faire retour à l'envoyeur? Quand tu es consciente de cela, tu coupes d'abord les liens négatifs. Deuxièmement, tu appelles ton pouvoir qui a été pris. Parce que pour te faire du mal, ces personnes généralement ont besoin de t'attacher d'une façon ou d'une autre. Toute pratique de manipulation qu'on fait sur toi, ça t'affaiblit. Juste une petite vidéo comme ça. Juste une petite vidéo en like, I don't know, j'ai envie de faire un petit short de TikTok avec ça. Regardez. Comment savoir qu'on travaille sur moi? Premier signe, l'indécision. Avant, quand tu étais une femme que... Tac, je fais. L'indécision. Un coup tu veux, un coup tu veux pas. Un coup tu veux, un coup tu veux pas. Tu es lente à prendre des décisions. Peut-être c'est la même chose, peut-être c'est numéro 2. Tu es lente à prendre des décisions. Numéro 3, tu ne deviens plus logique. Tu arrives quelque part. Tu vois comment l'homme là, donc tu prends une conversation où il a dit que je veux que la fille là, que je veux toujours la posséder, je veux toujours dominer sur elle, travailler pour... Tu as vu, tu as les preuves. Mais après tu restes, sur le coup tu dis, je veux le quitter. Tu rentres le soir, tu couches, tu dors. Le lendemain tu ne peux pas s'habituer pour qu'il mange. Même vos employés peuvent vous manipuler, vos employés aussi. Vos employés, pas seulement les gars ou les femmes. Un autre signe pour savoir que tu es manipulé spirituellement. Si tes guides sont puissants, la personne t'a peut-être manipulé pour l'instant. Mais tu veux lui faire du bien, ça bloque. Tu veux lui faire du bien, ça bloque. J'ai une fois comme ça, j'ai eu un employé. Première semaine que je l'embauche, je vois tout ce que je peux faire avec lui. J'avais oublié l'état de son cœur. Tac, je lance son passeport. Il dit que dès que ça sort, le passeport prend 4 jours pour sortir au Cameroun. Dès que si tu déposes les dossiers, le lendemain ça sort, parfois même le même jour. Quand il fait ma passe, c'est le même jour qu'on me donne. Mamie, 7 mois plus tard, son passeport n'était toujours pas sorti. 7 mois plus tard, son passeport n'était toujours pas sorti.
Ce sont tes guides. On dit, out of desperation, ils essaient de te passer un message. Ça, c'est pour voir. Il y a ça, donc ça fait partie des signes. Et un autre signe de manipulation, pour savoir que tu es manipulé. Tu restes comme ça, tu as parfois, tes émotions fluctuent beaucoup. Un coup, tu as le courage. Avant, tu savais que je fais tac, 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 mon courage revient. Là, tu fais tac, tac, tac. Ça fait un genre. Tu fais tac, 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 ça fait un genre. Quelque part, on est en train de manipuler ton énergie. Ce qui fait que, au lieu de te lever pour avancer, tu es en train de combattre plutôt cette énergie adverse. Tu as plus de combats que tu n'es consciente. Parce que je vous rappelle que toute attaque qu'on fait sur vous, vos guides, ils combattent. Donc, supposons qu'on te fait un truc aujourd'hui, c'est dans 5 ans que tu vas découvrir. Ton esprit est déjà en train de combattre ça dès aujourd'hui. C'est en 2029 que tu sauras. Aujourd'hui, il combat déjà. Donc, la vitesse que tu avais généralement, tu vois que c'est là. Attends, non, ça te dit là. Ça, c'est indécis. Et quand ça arrive, ça veut dire que si avant tu faisais un bain le matin, un bain le soir, tu restais, ok, voilà le top de ma forme. Ça veut dire que spirituellement aussi, tu dois redoubler. Parce que quand tu as mis dans un trou, toi-même aussi, tu dois faire d'autres efforts pour sortir. Une autre chose qui est très évidente, c'est les finances qui sont attaquées. Avant, tu savais que bon, tu as des faux problèmes qui arrivent. Pourtant, je paye ma dîme. Pourtant, je fais mes offrandes. Pourtant, je fais tous les orphelins. Pourtant, je fais ceci. Je ne comprends pas. Généralement, je fais 1 plus 2. Ça fait un mec plus comment? Il y a quelqu'un quelque part qui est en train de travailler sur toi, de te manipuler. Voilà. Soyez vigilants. Donc, j'en ai fait un petit TikTok. Bon, je donne souvent mon numéro. Mon numéro, c'est le 237-693-50-22-66. Faites attention aux arnaqueurs qui prennent mes vidéos, ils mettent sur les pages. Je suis toujours en direct sur mes pages officielles. Oui, ça c'est en attendant qu'on me mette la marque bleue sur mes pages. Trop d'arnaqueurs avec mon nom ici dehors. Faites attention. Même s'il faut que tu demandes, je ne sais pas quoi. Ils prennent ma photo, ils mettent devant la caméra pour vous faire croire que c'est moi. Donc faites attention. Voilà. Et ces personnes-là, elles, je sais pas un peu dire ça, elles sont à côté de toi, elles t'ont vu faire tes batailles, elles savent comment tu fais tes batailles. Vous suivez? Ça, c'est le plus dangereux. Elles savent qui tu appelles quand tu as un problème. Hé, Seigneur Jésus. Elles savent... Oui. Attaquer la personne connaît tout ce que tu fais. Je pense que ça, c'est très dangereux. C'est très mesquin. Ça m'amène à vous proposer ceci, mesdames et messieurs. Ça m'amène à vous dire ceci. Ne montrez plus vos rituels spirituels aux gens. Ne montrez plus. Ne montrez plus vos rituels spirituels aux gens. Quelqu'un qui est venu à côté de toi et demande ça, cette personne devient ton ennemi. Si tu étais le genre que tu montrais tout ce que tu fais, ah, actuellement, si elle veut l'attaquer, je sais qu'elle doit être à tel endroit de faire ça. Elle est en train d'appeler tel avocat. Oui, non, l'avocat là, il est là. Ne te dérange pas, il ne peut rien faire. Oui, oui, oui. J'avais vu comment telle personne. Vous devez être imprévisible. Vous suivez? Vous devez être gênant, je vais te bloquer. Tu m'embêtes. Tu as compris? Tu es comme le moustique dans la chambre. C'est quoi? Vous devez être imprévisible. Ok, il t'attend à ce que tu laisses le toussier. Oh, d'habitude, elle laisse, non. Porte-lui plainte. D'habitude, elle laissait, non. Elle disait que c'est Dieu qui va résoudre ses problèmes. Comment est-ce qu'elle me porte plainte? Écoutez, que chacune de tes réactions soit imprévisible. Parce que ces personnes qui volent votre destinée, quand ils arrivent à côté de vous, ils s'asseignent.
Ils sont très mesquins. S'ils mettaient la même énergie qu'ils ont utilisée pour vous étudier, s'ils mettaient ça pour réfléchir sur leur propre vie, c'est qu'eux aussi seraient quelque part. Mais comme il faut qu'ils viennent voir chez vous, vous devez faire attention. Il y en a qui ont envie votre ministère. Il y en a qui ont envie vos dons. Et si c'est l'osmose ou c'est n'importe quoi, il y a des personnes qui, à force de rester à côté de vous, ils commencent à avoir les dons aussi. C'est vraiment pour ça que tu es avec toi tous les jours. Tous les jours. Parce que vous échangez les paroles, la présence physique, vous parlez, vous les idées. Quand ils voient, la personne voit un problème, voit comment tu réfléchis. Ils envient vos dons, ils envient vos enfants, ils envient votre travail, ils envient votre maison, ils envient, ils sont à côté de vous. On ne présente pas son guide spirituel à n'importe qui. Il y a une dame récemment que j'ai tuée. Le jour elle arrive chez moi, l'esprit me dit, travaille sur la femme si seulement. Je lui dis que je dois travailler seulement sur toi. Non, moi, il ne peut pas faire ça, mon mari. Il ne peut pas. Oh! Elle porte le mari, elle vient avec. Et son mari a son propre guide de son côté. Elle n'aime pas le guide ne l'aime pas. Ouais, elle croyait que ça en amenait son mari, c'est là qu'elle allait le manipuler. Il vient. Je lui dis que je dois travailler. Il faut faire ça sur toi. Elle dit non, mon mari. Ils arrivent. Il cache sa part, elle expose sa part. Vous devinez la suite, bien sûr. Vous devinez la suite, bien sûr. Si je connais tout ce que toi tu fais, je connais toutes tes stratégies, je connais tout ce que tu fais, mais attends. Quelqu'un qui a été dans le camp de l'ennemi quand il faisait ses stratégies d'attaque, quand il rejoint le camp adverse, c'est sûr que l'équipe dans laquelle il était avant là va perdre. Parce qu'il connaît tout. Là où vous avez posté vos attaques, archers, how do you call archers in French? Like, okay. Les gens qui vont lancer les flèches là. Là où vous avez déposé ceux qui vont pousser les cailloux. Là où vous avez des. Ils connaissent tout. Ils sont en mesure de dire ici il y aura ça, ici il y aura ça. Et tout dans la vie, c'est la stratégie. Dans ce mois d'octobre, on t'appelle à devenir stratège. Tu reçois, reçois. Reçois la stratégie. T'as fait que tu étais bête avant là. Si tu prends le nom de quelqu'un pour l'amener, que ce soit pour faire tout à ton avantage. Aider mon mari. Il y a des femmes qui viennent souvent. Hein. Je dis que maman, je travaille chez toi. Non, mon petit agent que j'ai là, il faut travailler pour que mon mari trouve le boulot. Mon petit agent que j'ai là, il faut que vous êtes bête. Le mari a finalement le boulot, après il te chasse. Qui a perdu? Hein? Quand le mari prend ton nom pour aller quelque part avec, c'est seulement pour t'exposer, c'est pour te contrôler, c'est pour te dominer. J'ai travaillé sur une femme ici l'année passée. Mon numéro c'est le 237-693-50-22-66. 237-693-50-22-66. La femme était mariée avec quelqu'un, un Européen. Et elle avait des activités ici à Abidjan. Chaque fois, elle essaie, ça ne marche pas. Elle ne comprenait pas. J'ai fait un gros travail sur elle. Elle, une semaine après, elle dit qu'elle savait pas ce qu'elle faisait. En nettoyant la maison, elle te lève et dit que je dois nettoyer la chambre sur aujourd'hui. Elle va au fond du lit. Elle trouve un verre transparent dans lequel il y a un papier qu'on a enroulé avec de l'eau. Elle prend, elle ouvre. Je déclare que Laura m'est soumise. Je la domine. Ses activités, tout ce qu'elle fait, elle doit venir me dire. Que ses activités ne dépassent pas certains plafonds ou bien que ses activités. Il avait limité les activités de la femme.
Quand elle a vu ça. Deux semaines après, elle a quitté la maison. Elle a dit que je le laisse avec les enfants, je pars. Parce que si elle ne sauve pas ma peau ici, là. Celui que tu prends ton, son nom, tu dis que tu vas travailler pour qu'on l'aide. Tu es celui qui t'aiderait. Vos frères, les gens de vos frères, ouais, Seigneur. Ta soeur marche le marabout avec ton nom pour te faire du mal. Toi, quand tu demandes qu'on fasse quelque chose, c'est seulement pour dire que, maman, que ces choses marchent. Ouais, voilà son mariage qui a des problèmes. Maman, elle, il y a une dernière fois, elle a payé, elle a envoyé 600 000. Qu'elle travaille sur sa soeur et tous ses enfants. Ou c'est la même soeur là qui lui fait les problèmes encore maintenant. L'heure de la sagesse, c'est ça. Même si on va te donner un suppositoire, tu vas recevoir la sagesse. Tu vas devenir sage. Oh, je moi. Oh, you know. Tu vas devenir sage. Prochaine fois que tu as ton argent, au lieu d'aller augmenter même une bénédiction sur ta part pour tes enfants, demande-toi si la personne s'y avait. Est-ce qu'elle... Parce que je crois qu'après, c'est pour ça que les gens se moquent trop des choisis. Parce qu'on dit que les choisis sont bêtes. On dit que les choisis sont bêtes. Tu vous faites qu'ils ne vont jamais. Ne te dérange pas. Fais. Elle n'a rien fait. C'est pour ça qu'on vous cabosse à gauche à droite. Beaucoup de familles, il y a des hommes qui sont allés pour dominer leurs frères et sœurs. Que dans la famille, ce sera toujours moi le premier. Ça existe. Même père, même mère. Si un père déjà peut envoûter ses enfants, si un père peut vendre ses enfants pour avoir des immeubles, combien de fois le frère? Frère, ton frère n'est pas censé t'aimer. Je crois que parfois, c'est comme si vous avez besoin d'un réveil spirituel. Vous avez besoin qu'on vous réveille pour que vous voyez la réalité des choses. Parfois, tu laisses ton enfant chez cette personne. Observe comment tu traites ton enfant. Écoute ce que l'enfant te dit. Maman, je suis battu, c'est tata là. Voilà le vrai cœur de ta soeur sur toi. Voilà le vrai cœur de ta soeur sur toi. Parfois, tu envoies ton enfant au pays. L'enfant fait même 2 ans quelque part. Ta soeur n'a jamais cherché l'enfant. Ils sont dans la même vie. Et tu es au téléphone avec chaque jour. Tu crois que ta soeur t'aime? Tu crois que ta soeur t'aime? Parfois, c'est comme s'ils nous ont même aveuglés. On revient de loin. On revient de loin. Oui. On revient de loin. On revient de très loin. Mais je suis sorti de ce sommet profond avec 2 AVC. Tu n'auras plus jamais d'AVC de toute ta vie. Au nom de Jésus. Recevez la sagesse par la puissance divine. Que cette sagesse ne vous quitte plus jamais. Vos enfants ne tomberont pas dans les pièges dans lesquels vous-même vous êtes tombés. Voilà, bonjour. Voilà Fanny. Que j'ai bien compris. Je passais le temps à monter les rituels pour aider les gens. Dès que la chose change, ils m'ignorent. Oh colo. Oh colo. J'ai dit, ces personnes, quand ils arrivent, ils ont une façon très subtile de se rapprocher de toi. Ils veulent voir comment tu fais ce que tu fais. J'achète ici. Je propose ici. Je vends, je bénéficie comme ça. Je viens, je parle au fournisseur. Je parle au fournisseur. Ils me donnent à crédit. Ils aiment ça. Attendez, je vais enlever ça sur mon habit. Je customise moi mes dopés. Voilà. C'est bien comme ça.
fait les vidéos. C'est fou. J'ai des personnes avec lesquelles je suis sortie. Ils ont eu l'envie soudaine de faire des vidéos. Pas n'importe quelle vidéo, des vidéos spirituelles. Ça ne vous dit pas quelque chose? Ça ne vous dit pas quelque chose? Tu es avec quelqu'un? Et quand tu montrais avant, tu sentais dans ton corps l'énergie te disait que ne montre pas. Ne montre pas. Parfois, quand tu composes tes produits, la personne veut savoir qu'elle fait comment. Beaucoup de gens qui vous arnaquent, ce sont les gens qui étaient à côté de moi. Est-ce que vous savez ça? Beaucoup des arnaqueurs, ce sont des gens qui ont été à côté de moi. Mais ils ne savent pas ce qui arrive pour eux. They don't know. They can't even imagine. Ils regardent. Donc, elle parle seulement à quelqu'un comme ça, la personne lui donne 100 000. C'est de comprendre votre fonctionnement. Ne montrez pas vos fournisseurs à ces gens. J'ai des personnes avec lesquelles j'ai été. Après, ils sont allés pour savoir. J'ai des personnes. Quand je trouve quelqu'un qui fait un produit qui me plaît et qui marche, je lui dis, tu sais quoi, je ne vais pas acheter la recette. Pour que toi-même, tu aies aussi un peu d'argent. Tu me vendras chaque fois. Tant que tu as envie, tu me vendras le produit. J'ai une dame toujours qui m'a dit qu'elle a des gens qui l'ont approchée pour demander certains des produits qu'elle fait pour moi. Mais elle a dit non. Parce que pour elle, j'aurais pu venir chercher la recette, même si j'achète ça à 400 000. Je sais qu'il y a la même mamie, je connais très bien. Ne te dérange même pas. Mais là, on est en train de parler des stratégies de ces personnes. Quand ils arrivent, ils vous simplifient. Je n'arrive pas à aller sur les pages des gens copier mes. Quand vous voyez mon contenu, je n'arrive pas. Parfois, là, ça m'a une idée tombe sur ma tête, comme la noix de coco. Quand je prends mon téléphone, je fais le direct ou je fais le. Je n'arrive pas à copier quelqu'un pour venir ici dire. Parce que ça ne connecte pas avec mon âme. Mais ces personnes ne comprennent pas. Donc quand ces personnes arrivent à côté de vous, leur but premier, leur but principal, je dois comprendre tout le mécanisme de cette femme. Je dois comprendre tout le système. Quand j'ai vu des personnes qui sont arrivées, qui ont vu mon système, souvent mes guides me disent que toi-même tu ne peux pas expliquer comment tu es ce que tu es. Parce que si on te disait, tu dirais ça à quelqu'un. Ah, Seigneur! Le jour-là, j'ai écrit jusqu'à. Il dit que donc, ne me fais pas confiance. Il dit que quelqu'un par ici tourne ta tête. Il te donne un bon plantain là. Tu dis que. Ah, Seigneur! Que non, toi-même, tu ne connais pas. Agence, tu écris sur WhatsApp, elle ne répond, elle ne comprend pas. J'ai donné le numéro, non. Bien sûr, quand je suis en direct, ce sont elles qui sont en train de répondre. Prenez mes numéros sur mes pages officielles. 237 6 93 50 22 66. Merci à ceux qui ont partagé. Merci pour le partage. Merci aussi à ceux qui ont liké la vidéo. Ça aide la vidéo pour que ça monte. Donc. Ces personnes, quand elles commencent, quand elles viennent à côté de vous, elles veulent sucer tout ce que vous êtes. Léa, lave ton sel.
Sur ma page, j'ai des vidéos qui parlent de lavage au sel. Si tu ne peux pas te laver au sel, déjà toi-même, tu laisses. Si tu te laves le sel de ta maison, après tu viens acheter mon sel. Chez moi, c'est en étape. Discipline-toi d'avoir ton propre sel chez toi. Et ne vous force pas pour prendre mes choses. Ok? La personne là veut tellement entrer dans toi. Quand elle arrive, majorité de ces personnes, elles arrivent à côté de vous, leur habillement change. J'ai remarqué un truc. Vous savez, les habits royaux, ici, là. Les habits royaux, ici. C'est ton esprit qui te fait porter ça. C'est ton esprit. Genre, on a envoyé les choses en France récemment. Donc, vous savez, soyez vraiment patient. Parce qu'il y a eu trop de messages dedans. Je me rappelle que j'ai l'habit d'une d'entre vous qui est connectée ici. Là, que elle a commandé un habit blanc comme ça. Là. Maman, l'histoire de l'habit là. On a. Ceux qui veulent la consultation, c'est 22 000. Mais dans cette consultation, je ne vous parle pas directement. Quand vous arrivez, j'ai informé mes employés de telle façon qu'ils peuvent vous conseiller quelque chose. Donc ne cherchez pas à parler avec un lumière directement. Vous avez suivi. Quand tu pars à Carrefour, tu ne cherches pas à parler avec le directeur de Carrefour. Tu dis j'ai tel problème, on prend ça. Mais quitte, on les noms. Quitte des envoûtements. Si tu es envoûté, tu as les trucs dans le ventre qui dérange. Tu as le serpent dans le ventre, des choses comme ça là, tu prends le kit des envoûtements. Kit attirance, ça fait ce que ça dit. Le donne-moi tout. Tu achètes le donne-moi tout, tu mets sur la langue. Tu parles, ça te donne ce que tu demandes. Merci Daniel. Les gens qui viennent me flatter comme tu flattes déjà comme ça là, ça veut dire que dans une minute tu vas m'énerver Daniel. Donc fais seulement attention à ce que tu écris. Je n'aime pas trop les flatteries. Je n'aime pas trop. On m'a déjà tellement eu avec les flatteries que je n'aime pas quand on entre dans moi avec les flatteries. Mais merci, merci. Kit fondation. Quand tu viens de commencer dans mes choses, prends d'abord le kit fondation. Ça enlève d'abord les malédictions générationnelles, les choses qui te bloquaient de ta famille. Il y a même le sel noir qui est nouveau. Sel noir, huile rouge. Bonne combinaison. Sel main percée. Tu prends, tu te laves les mains avec chaque matin. Voilà. Tous mes produits sont là. Donc quand tu vas dans le magasin, tu n'as pas besoin de m'appeler. Tu n'as pas besoin de moi. Certaines de ces personnes, quand ils arrivent à côté de vous, leur vestimentaire change. Avant, ils mettaient les polos, les jeans, les t-shirts. Quand tu le rencontres, tu dis, mais attends, tu es un roi, tu es un homme. Le kit fondation, c'est 70 000 au Cameroun, 230 euros si on te livre en France. Abidjan, c'est 110 000. Gabon, c'est 110 000. Qui des envoûtements, c'est 135 000 au Gabon et en Côte d'Ivoire. Cameroun, c'est peut-être 85 000. Il y a le kit commerce. Kit commerce, ça fait ce que ça dit. Quand votre bonne, c'est que quand vous venez, vous croyez que votre cas est tellement spécial. Quelqu'un a fait l'objet, tu passais dans les messages ce matin. J'ai vu quelqu'un écrire à mon employé. Donc tu connais ce que je dois prendre seulement en écoutant mon imagination. J'ai ri jusqu'à. Si tu es dans le direct, si j'étais répondu, j'ai ri. Oui, on envoie au Bénin. On envoie au Bénin, on envoie. Même en Afrique du Sud, on envoie. On envoie. Il a demandé le kit couronnement. Donc, vous allez lui écrire, vous allez lui dire de laisser, parce que dans le kit siroi, là, il y a déjà une couronne. Donc, il n'a pas besoin. Et vous lui envoyez les cartes. Par contre, vous lui dites qu'il peut prendre deux types de cartes. Donc, s'il avait payé un seul type, vous lui envoyez les cartes de reprogrammation et les cartes de soulève-toi. Voilà. Donc, par contre, les cartes, vous pouvez ajouter les cartes dessus. Et vous lui mettez des extras poudre jaune. Il aime beaucoup ça. Ça l'aide énormément aussi. Masturbation, poison de nuit, la poudre jaune aide beaucoup là-dessus. Poudre jaune, poudre de désenvoûtement aussi, ou bien thé de désenvoûtement.
Si tu avais pris le kit des enrôlements avant, c'est pas parce que tu as fini un kit que ton problème est parti. C'est parfois le problème que les gens ont. Bonjour Joanna. Ils utilisent les produits, ils croient que c'est ok, c'est bon, c'est fini. Une entité qui est dans ton corps depuis 25 ans. Tu attaques et tu dois continuer. Ok? Donc beaucoup d'entre ces personnes, quand vous les prenez, quand vous commencez avec eux, leur façon de se voir change. La façon, et certains arrivent à côté de vous, vous avez déjà des facilités. Tu rencontres quelqu'un, tu as déjà ta voiture. Elle n'a pas de voiture. Du jour au lendemain, cette personne se retrouve propriétaire d'une voiture. Parce que ces personnes ont tendance à croire que comme ils sont avec vous, ou comme ils sont à côté de vous tous les jours, et faites aussi attention que c'est éviter, aimer la solitude. Préférez la présence de vos enfants. C'est pour ça que vraiment, je crois que les meilleures relations sont celles où il est de son côté, dans son pays ou bien dans ta ville. Toi, tu es de ton côté. Parce que parfois, il y a des moments où tu es fatigué, tu es dans des moments de faiblesse, ou peut-être tu as une petite colère, ou tu es dans une petite vague de 5 minutes de dépression là. Hein? Oh, prends la voiture, non. Il y a des choses que vous avez données à certaines personnes parce que vous voulez qu'ils vous laissent tranquille. Je rentre, je suis fatiguée, je ne veux pas. Oui, prends, prends. Il y a même des idées qui t'arrivent. Donne-lui 1 million. Mamie, il faut dormir. Si demain matin à 6 heures, tu vas encore donner 1 million. Peut-être que c'est parce qu'il vient de faire l'amour avec toi pour la 5e fois. Que tu as. Ton esprit est fatigué. Tu ne penses plus clairement. Quelqu'un qui doit des millions à ton mari, il ne veut pas payer. Voilà, intercédez pour vos maris. Que ton mari lui-même vienne ici là, écrit. Qui t'avait ça? Je suis sûr que ton mari va te donner son rapide, son amour, ses millions. Tu viens d'arriver dans mon direct. Hein? que ça va voler les yeux. Mamie, souvent tu restes comme ça là. Attends, je vais lui offrir la voiture là. Vous savez la fille qu'on appelle Michel qui a offert la voiture à son gars. I don't know. Elle pensait à quoi, la chérie? Elle pensait à quoi? Pourquoi elle nous fait ça? Pourquoi elle nous fait ça? Hein? Pourquoi? Elle peut vous offrir un cachette, non? Michel, tu aurais dû offrir ça en cachette. Et dans les femmes vont commencer à dire donc l'idée que j'avais de donner 500 000 à mon gars là, c'est ça. Tu connais ton gars. Oui, l'idée vient que donne-lui 1 million, tu dis que gars, c'est la fatigue. Attends, il me couche un peu, tu dois pas faire mon bain de pipi. Vous savez, les idées sont comme des vagabonds. Si il y a un toc, tu ouvres, il entre. Donne-lui 1 million. Pas fait mon bain de sel. Donne-lui ta voiture là. Tu vois, tu l'utilises plus trop, non? Mouf! Ne voyez pas les choses sur les réseaux sociaux. Le truc, c'est que l'esprit humain a tellement tendance à copier. Beaucoup. Je ne sais pas comment est leur relation. Je ne connais pas. Je ne peux pas. Même, c'est qui nous montre ce n'est. Je ne sais pas quel rôle ils jouent. Je ne sais pas. Je n'aime même pas parler des gens. Mais ce que je sais, c'est que quand tu vas voir cette action, automatiquement, quelque chose dans ton esprit va. C'est ça. J'ai dit demain, demain, la reine lumière a dit. Oh là là. Donc, il y a des choses que. Ta tête reçoit beaucoup d'idées, ok? Ça entre, ça entre, ça sort, ça entre, ça sort, ça sort, ça sort. Tu restes ça, ça sort, ça sort. Tu as besoin parfois de lucidité.
Tu mets trois lunettes sur tes yeux. Un, deux, trois. Les femmes, non. Une fois le gars pratique la position ecclésiastique, on prend la sagesse, on jette loin. Ah, tu parles comme ça, mamie. Il y a une femme ici qui m'a contactée. Elle a... J'ai un collaborateur, quelqu'un, je prends ses services de façon ponctuelle. Donc, on peut dire une fois tous les deux mois, il vient, il est là, service dans mon entreprise, et puis il part. Donc, elle me dit, je veux Sinarène. Je m'appelle Sabrina. J'ai changé son nom, bien sûr. Je suis avec lui depuis. J'ai déjà avorté trois fois. J'ai porté la quatrième grossesse. Il ne veut pas s'occuper de l'enfant. Dis que tu me suis. Première fois, il a fait la retirer. Elle a déjà des enfants. Deuxième fois, il a fait la retirer. Troisième fois, il a fait la retirer. Mais tu as pris le courage pour aller porter la quatrième. Hein? Je voulais la taper. Je voulais l'insulter. Je ne sais pas quel châtiment je voulais lui donner. I don't know. J'ai dit, ma chérie, tu as mangé le fruit de la bêtise. L'arbre de c'est où? Mon ex m'avait dit, prête-moi un bâton, alors qu'il ne m'a jamais donné. Ah! Écoutez, mes chéris, notre argent ne reste jamais dans un seul compte. À aucun moment, on ne doit savoir combien tu as exactement. Imagine, tu rentres à la maison. Oh, il m'a pris 25 millions. Donc, il sait que que tu peux avoir 25 millions. Il y a même les problèmes qu'elle. Souvent, tu rentres à la maison. Il dit, c'est quoi, chérie? Tu fais. Tu bois l'eau sale de sang. Il parle. Tu bois l'eau sale de sang. Un jour, il y a une personne qui m'a sorti que. Hey, voilà. N'est-ce pas, tu m'avais dit que tu m'avais dit que tu as donné 5 millions à ton ex, non? Hein? Viens regarder comme ça. Donne aussi. Je lui ai dit que tu sais quoi, c'était la leçon de ma vie. It was my life lesson. On m'a dit que mission de vie, c'était ma leçon de vie. Quand je rencontre quelqu'un à distance, je vois un peu d'abord, Nicole, bonjour. Quand on parle d'argent, il est toujours... Voilà la rentrée. J'ai trois enfants. J'ai une de mes filles qui m'a présenté son... Elle m'a présenté un prétendant l'autre jour. Heureusement que le tout, elle m'a présenté le prétendant. Et elle dit que même si son mari pleure devant elle, elle dit qu'il n'est pas, alors que c'est posé quelque part. Oh, jeune moi, tu connais. Elle me le présente. Je vous ai raconté l'histoire l'autre jour, non? Qu'ils arrivent, le monsieur prend la chaise, il s'assoit. Il y avait une seule chaise. J'observe, il la laisse debout. Pour moi, c'était à bon âge. Il n'avait même pas pour parler. Il me dit non, il a dit qu'il veut reprendre avec moi. C'était un ex maintenant. Bon, voilà. Ok. Le X de la relation, c'est quoi? Elle dit, c'est qu'il veut devenir polygame. Mm-hmm. Il connaît ta condition, il sait que tu as un loyer à payer, il sait que tu as les factures, il sait que tu as les charges. Voilà la rentrée, il a dit quoi par rapport à ton garçon? Tu me dragues. J'ai l'enfant. Et malheureusement pour toi, tu me dragues en septembre. Hein? Je te dis que mon enfant n'a pas la maison parce qu'il n'est pas fini, je n'ai pas payé la pension. Tu ne bronches même pas pour demander que c'est combien. Bon voilà, sur les 100 000 qu'on demande, voici même 40 000.
Débrouille-toi, pardon. Tu sais que moi, j'ai deux enfants, j'ai la paix aussi pour un an. Là, 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 c'est chaud. Le mois prochain, je peux encore donner un peu, comme ça, tu complètes le reste. Il n'évoque même pas le sujet avec elle. That is a very dangerous man. That is a very dangerous man. Et en plus, il va être polygame. Il va être polygigolo, un truc comme ça. Parce qu'un polygame, c'est quelqu'un qui a la maison ou les maisons. Il loge et il s'occupe de ses femmes. Le polygigolo, c'est quelqu'un que il a sa petite chambre et il a ses femmes qui ont des villas. Je crois que c'est l'autre là qui voulait devenir. Et quand ces personnes s'approchent de vous, quand vous regardez après, c'est vous qui les avez pris au sol, vous les avez soulevés. Quand tu cherches dans ta vie, tu vas voir que l'instant où tu as rencontré la personne, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas bien marché. Ton mari va te tuer. Reste alors, c'est ton problème. Les femmes qui meurent, on les enterre, hein, en passant. On les enterre. Ne crois pas qu'on t'enterre, on te met dans la terre. Après, on mange. On mange le congé. Tu as compris? Laisse, elle ne fuit pas. Reste. S'il arrive à ses fins et que tu meurs, on te met dans le cercueil. On fait. On continue à vivre. Depuis que j'ai compris que si je meurs, vous allez continuer à vivre, gars. I am very selfish. I am very egoist. Very egoist. Check ta vie. Qu'est-ce que la personne s'est aussi fait dans ma vie qui est bien? Ces personnes peuvent se rapprocher. C'est fou quand même. Hein? Le nombre d'hommes qui ont été détournés par nos copines. L'homme ne dit jamais non. C'est facile de détourner l'esprit de l'être humain en passant. L'être humain est très facilement détournable. Donc, quand cette personne s'approche, je vous ai raconté l'histoire de cette personne qui s'appelait ma jumelle. Et il y avait toujours un truc qui était off. Cette personne, il y avait un truc qui était toujours off avec cette personne. There was always something off with her. Il y avait un truc qui était off. Oh, ma juju, j'ouvre mon local. Je laisse la personne dans la ville pour superviser. Tu as fait un prêt. Tu as fait un prêt, 1 million pour lui donner. Ha! Pour le terrain. Aujourd'hui, il m'a dit de partir de chez lui. On applaudit Bouki, Bouki, Bouki. On applaudit Bouki. Ah, applaudis pour toi, non, chérie. Joanna, non, mais t'as pas, c'est trop chaud. Et tu continues d'être assistante sociale. Et c'est vrai en plus. Chérie, tu as fait un rôle de destinée. Et c'est de ça que je parle aujourd'hui. Tu as été victime d'un vol de destinée.
Sans filtre, tu viens d'arriver dans mon direct, je suppose. Ça fait au moins une heure que je suis en direct et que j'ai expliqué. Donc, je ne réexpliquerai pas. Reste seulement, tu écoutes le cours des choses. Donc, on a un événement gratuit à Abidjan le 26 octobre. Mais j'aimerais que vous vous signaliez. J'aimerais savoir combien de personnes viennent. S'il y en aura 10, s'il y en aura 15, s'il y en aura 80, ça ne me dérange pas. Mais signalez, vous vous dites, je viendrai. Si vous ne venez pas, ne dites rien. Voilà. Ok. Le numéro, c'est le 0779-0252-05. Ces personnes ont... Je parlais de cette juju, non? Donc, j'ouvre le truc. Le contrat signé, tout signé. Et cette personne avait son travail. Donc, la personne venait juste une fois tous les deux jours. S'asseyait dans mon local, consultait les clients. Et avait... un pourcentage de des consultations payées. Après quelques semaines, la personne a commencé à être jalouse de ce qui entre. Tu payes ton local, tu payes le loyer, tu payes les employés, la personne ne voit pas. Tout ce que la personne voit, c'est que aujourd'hui, vous avez eu tel chiffre d'affaires. Pourquoi? Tu as ce chiffre d'affaires si moi j'ai seulement ça. Quelqu'un qui a son propre travail quelque part. Quelqu'un qui n'a rien investi quand j'investissais pour le local. Écoutez bien. Quelques temps plus tard, les employés commencent à s'amuser avec mes affaires là-bas. Il y a un autre qui avait même pris un de mes ordinateurs, il était rentré chez lui avec. Je fais une descente surprise. Il arrive, je vois qu'ils ont vidé l'endroit, chacun faisait comme il voulait. Il n'y a pas l'ordinateur, j'appelle le gars. Il dit qu'il était quelque part, il quitte de là-bas pour aller chez lui, prend l'ordinateur pour venir me donner. Celle avec qui je travaillais, j'ai travaillé avec elle 4 ou 5 mois avant d'ouvrir le local. Elle se servait dans le Orange Money de l'entreprise. Parce que les gens disaient que j'ai payé sur le numéro de telle ville. Vous n'avez pas reçu. On check, on dit que non. Je suis allée à Orange Money. On a fait le listing de la... Chaque deux jours, la fille partait se servir dans le compte. Le manque de respect de la fille. J'arrive, j'appelle. Je ne connaissais pas encore que c'était la juju là qui faisait ça. J'arrive, j'appelle la juju. Juju dit que, ouais, comment elle a pu te faire ça? Je vais encore lui parler. Je prends même le listing que j'ai tiré chez Orange. Je montre à Juju. Juju dit, non, t'en fais pas, je vais lui parler. Quand je pars comme ça, tout ce que j'avais investi reste sa tombe. On a... Le loyer, c'est 250 000 au mois. J'avais payé un an de loyer. J'ai fait 4 mois dans l'endroit. Même 5 francs, ils ne m'ont pas donné. Elle dit que... Le bailleur a dit que... Il a dit que quoi là? Monsieur, là, c'est comme ça là. J'ai dit, Bravo, bravo. Jusque-là, je ne savais pas. Hein. Dernier employé qui est resté, c'est parce qu'elle avait dit à l'employé là qu'elle mange bien. Que la femme, si elle est méchante, elle va te renvoyer de toutes les façons. Mange tant que tu peux. On reste la semaine qui suit. Je cherche un petit endroit où je vais déposer les affaires pour laisser le local. On dépose les affaires là-bas. Je paye encore 10 mois de loyer là-bas. 7 jours plus tard, l'employé dit qu'il démissionne. Parce que je vais prendre de telle façon qu'il pouvait juste... C'était un logement, un studio. Donc je savais qu'il vit là-bas. J'avais laissé une villa de 3 chambres. J'ai pris un studio. Que dort là-bas, quelqu'un a besoin d'un produit, tu peux le livrer. Je l'installe dans la maison. C'est lui qui partait même chercher la maison. 7 jours après qu'ils soient installés et que j'ai payé, il me dit qu'il démissionne. Je ne connais toujours pas pourquoi. J'appelle encore Juju, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? 1 mois et demi plus tard, le gars est parti se confier à son frère. Son frère m'appelle, il me connaissait aussi, il me dit que tu sais quoi, mamie.
Mon frère m'a dit que tout ce qui est tombé, c'était ta juju. Et elle est venue leur dire que je la connais. Je la connais bien. Il faut voler pour vous tant que vous pouvez. Hey! Je suis restée comme ça là. Dis que tu n'es pas à son niveau. Prisca, arrête de te plaindre ici. Ça, c'est sur notre page, on ne se plaint pas nous. On apprend, on devient sage. Tu as compris, chérie? Tu as compris, Prisca? Ah, ça. Comment ça te lave avec le sel? Sur ma page, tu vas voir la première vidéo parler de ça. Première vidéo parle de ça. Lave-toi avec le sel. Le numéro d'Abidjan, c'est le 07 79 02 52 05. 07 79 02 52 05. Vous devez savoir vous relever. Je vous parle parce que dans vos vies, vous avez encore jusqu'à présent des voleurs de destinée. Ils sont là à côté de vous. Quand souvent tu fais le business avec quelqu'un, après il te quitte, il prend tes clients, il part. Il a volé ta destinée. Tu as vu le trident dans ce que je suis en train de faire ici? Quand vous êtes hors sujet comme vos pieds, comme les pieds du canard. Donc il y a des personnes qui sont à côté de vous. Le but, c'est de prendre au maximum. Prendre. La prochaine fois que tu vas t'asseoir devant quelqu'un, tu vas vouloir lui confier ton activité. Tu vas vouloir la laisser gérer. J'ai une de mes filles, elle est en Suisse, je pense. Elle a ouvert un magasin à Douala. Je devais aller bénir le magasin et je devais former aussi ses employés. Parce qu'on fait des formations d'entreprise aussi. Donc, je donne un petit truc à cette chose. On est en train de faire quoi? Après, elle me dit que celle-ci, c'est ma meilleure amie. Dès qu'elle m'a dit que l'une des vendeuses, c'est sa meilleure amie là. S'il vous plaît, dites-moi pourquoi c'est dangereux. Dites-moi. Vous qui assistez souvent à mes cours, vous venez au cours. Oui, dites-moi. Si vous n'assistez pas aux leçons, ce n'est pas bon. Tromperie. Quoi? Sois précise. Quoi? What is it? Haven't you done enough? I say, what is it? Haven't you done enough? C'est tout. On ne mélange pas le business et l'amitié. Toute personne qui dit qu'elle t'aime, même ton père, s'il connaissait combien d'argent tu touches et il voit ce que tu lui donnes, si ce que tu touches est beaucoup, il serait jaloux. Si tes propres parents peuvent te jalouser, combien de fois ta copine? Écoutez, ce n'est pas qu'elle peut devenir. Arrêtez. Parfois, vous êtes un peu bête. Parfois, vous allez dire, ah non, quand même, pas elle. Il y a des choses qui sont dans l'être humain. Hein? Si ici, là, il y a le cœur. Ici, en bas du sein, ici, là. Hein? Si on soulève ici, là, il y a le cœur. Ça, c'est sûr. Dans mon front, c'est là, ici,
Il y a une pâte blanche qu'on a appelée le cerveau. Parfois, vous pensez que pour vous, que votre cerveau se trouve ici. Ce sont des choses qui sont évidentes. Ton cas n'est pas spécial, chérie. Si c'est ta meilleure amie, ça veut dire que premièrement, vous avez été ensemble. Vous avez bavardé ensemble, vous avez peut-être sorti les gars ensemble, vous êtes parti en boîte de nuit ensemble, vous avez, quand tu avais les problèmes, tu l'appelais, tu pleurais. Elle connaît toutes tes faiblesses. Elle connaît quoi? Toutes tes faiblesses. Parce que vous pensez que vous êtes spéciaux, n'est-ce pas? Hein? Tu crois qu'elle se sent comment quand elle te voit que. Quand tu dis meilleure amie, ça veut dire que elle se voit comme ton égal. Ne sois pas bête. Même quand tu sors avec un homme, il se voit comme ton égal. Et s'il n'a pas de substance à lui, pourquoi je sors avec la femme là, elle gagne 5 000 le mois. Moi, j'ai seulement 200 000 le mois ou 200 000 le mois. Babe, je me suis entraînée. I've trained myself. I went to school, babe. I suffered. J'ai souffert, je me suis formée. J'ai ouvert les activités, ça n'a pas marché, d'autres ont marché. Donc là où tu vois là, c'est les flèches qu'il y a sur mon dos qui ont donné l'argent que tu vois. C'est comme ça que vous faites pour vous retrouver avec les hommes qui sont jaloux de vous. Parce que vous pensez. Ce n'est pas parce que tu connais, tu as vu son truc. J'allais prononcer des mots qui ne sont pas bien. Ce n'est pas parce que tu as vu son truc. Ou c'est pas parce qu'il a le droit de te faire, qu'il a... Regarde, il se voit ici, il se voit. Donc on a marché ensemble. Aujourd'hui, elle a investi 10 millions. Elle a ouvert l'endroit-ci. Et moi, je n'ai rien. Écoutez, ce sont les pensées naturelles. Et si vous êtes en train de faire cette erreur avec votre meilleur ami, parfois, c'est vous qui donnez les tentations. Parfois, c'est vous qui donnez l'opportunité aux tentations. Tu as un collègue de travail. Quand vous travaillez derrière le même poste, elle se voit comme ton égal. Toi, tu as ton gars, vous vivez ensemble. Vous avez déjà deux enfants. Bientôt, il va aller t'épouser. Tu crois que... Si tu crois que ça va... Tu es bête! Tu es bête! C'est ta copine, elle ne peut rien te faire. C'est comme ça que vous faites un bon pratique sur vous. On pratique sur vous. Attendez pas, ouvrir ma porte en bas. C'est maintenant que mes chers employés arrivent. J'arrive, je viens ouvrir, je viens. Vous m'entendez, non? On se voulait partir par terre.
Allô? Bonjour. Très bien, je suis en direct, dis-moi rapidement. Oui, j'ai pas précisé au commandant qu'il fallait faire deux. Oui. Ah, quatre comment? Ok. Le cas d'hier, c'est une plainte. Maintenant, ça vous convoque vous quatre. Maintenant, le cas qu'on est à devait faire la sommation là, ça c'est une plainte. Bye. Ok. Est-ce qu'il peut pratiquer par téléphone? Mais bien sûr. On vous bloque sans que vous ne soyez là. Pourquoi vous pensez que... Hein? Que je reprends mon souffle. Oui, je ne fais pas le sport. Écoutez, vous ne pouvez pas m'intimider avec quelque chose. Rien. Parce que tu m'intimides, que tu m'intimides pas, ça ne me donne pas l'argent. J'ai compris, non? Ça ne me donne pas l'argent. Tout ce qui m'importe, quand je me lève le matin, je vais avoir mes affaires. J'ai comme ça, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 téléphones. Je lui ai donné 2, elle est partie avec. Voici le 7e. Tout ce qui m'importe dans ma vie, tout le reste de vos avis là, même si un gars vient et dit que oh, tu es belle, tu n'es pas belle, je m'en fous. C'est pas ton compliment qui me donne mon loyer. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, comme je disais, parce que je vous connais, il y a des femmes ici, vous êtes très jalouses. Il y en a, vous êtes jalouses de moi. Parfois, vous restez comme ça, là, vous pensez que vos petits mots, là, c'est le seul truc que vous voyez pour m'attaquer. Mais même ça, ça fait comme l'eau sur la peau du canard. L'eau sur la peau du canard. Parce que quand elle me pointe ici, c'est ce qu'elle vient faire. Vous avez suivi? Je sais que parfois, vous me suivez pour 2 semaines, après, vous partez. Si vous me suivez même pour 1 an, après, vous partez, je m'en fous. Ça, c'est à quel point je me suis détaché de vous. Je me pointe ici et fais ce que j'ai à faire. La Bible dit que quand les gens venaient acclamer Jésus, ils se retirent. Quand on voulait le mettre au roi, il a fui. Il dit que quand on me suivait par la côte d'Antu. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, je reviens dans ce qu'il disait. Quand tu as ta copine à côté de toi, et ce que vous enseignez ici, c'est beaucoup d'erreurs que j'ai faites dans ma vie. Beaucoup d'erreurs. Tu as ta copine à côté de toi. Comment est-ce qu'elle va se sentir? Même aux yeux des autres. Les gens vont demander. Tu travailles dans le magasin de qui? C'est pour Chanceline. Ta copine là? Oui. Tu es vendeuse dans son magasin. Même en répondant, elle aura honte. Parfois, vous restez dans des situations où vous ne réfléchissez pas. Je sais pas, mon petit, il y a la logique des choses. Tu ne peux pas dire que je ne pensais pas. Non, c'est parce que tu as exposé, tu as appris. Quand on faisait chimie, j'ai fait biochimie à l'université de Mouéclé. Et il y avait des réactions qu'on savait que si tu mets ça avec ça, ça va inévitablement donner telle réaction. Parfois, vous oubliez ça dans votre vie. Tu sois avec un homme qui aime toujours les femmes. Si tu as des enfants, filles, ou encore si tu as des copines, mais tu n'ailles pas te tromper avec d'autres femmes dehors. Il y a des femmes ici là que tu dois attendre tes enfants grandissent, ils sortent de la maison avant que tu amènes ton gars à la maison. Avant que ton gars vienne se coucher jusqu'à vous vivez ensemble. Parce qu'il ne peut pas te laisser avec les enfants. Tu portes, tu mets, après tu commences à dire que ah, il y a ça. Tu as pris des réactions, tu as déclenché. Et c'est parfois la sagesse là qui vous manque. Réfléchissez. Réfléchissez. J'ai travaillé, je suis une femme. Elle m'appelle. Oh, s'il te plaît, aide-moi, aide-moi. Je dis, ok, viens. Elle vient. Commence à travailler sur elle. Dès que ma main la touche, le temps là, je faisais encore trop de lavage physique. Actuellement, je ne fais plus. Parce que je voyage beaucoup. Dans le temps, elle était un peu stable à doigts. Là, ça fait 1 an et demi. L'esprit de sa copine commence à parler. On l'accompagne partout. Partout où on part. L'autre gens, elle me donne 500 000, elle me donne 30 000, elle me donne quoi? Écoutez,
Tu marches avec ta copine, un dragueur te donne 500 000, tu donnes 30 000 à ta copine, elle est jalouse. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui, s'il vous plaît? C'est la faute à qui? Non, c'est ma meilleure amie. La dame est partie pratiquer pour bloquer cette femme. Par jalousie. Son gars est en Allemagne depuis, il n'arrivait pas à faire ses papiers pour qu'elle vienne. Hein? Quand on marche, c'est tout elle que les grands hommes regardent. Tous ceux qui ont l'argent, c'est toujours elle qu'on regarde. J'ai questionné l'esprit correctement. Hein? J'ai questionné. Elle a parlé. Elle va voir. Elle croit même que quoi. Même son enfant, là, sa meilleure amie avait bloqué sa fille de 7 ans. Donc le monsieur qui est son fiancé voulait adopter l'enfant depuis, ça ne marchait pas. Vous croyez que c'était quoi qui bloquait la procédure? Sa meilleure amie, s'il vous plaît. Parfois, je ne sais pas si vous vous rendez même compte. On a grandi ensemble. On se retrouve finalement. Ah, tu es à Paris? Oui, je suis à Paris. J'ai la chance d'être tombée sur un homme qui a l'argent. Il veut faire venir mes enfants. Tu bloques. Tu bloques. Et le pire, c'est que parfois, vous êtes à côté d'eux comme ça. Vous ne savez pas que ce sont eux qui vous bloquent. Vous ne savez pas que ce sont eux qui vous bloquent. On fait ça. On fait ça. Ouais. Je vais vous raconter l'histoire d'une femme ici toujours. Elle m'a fait le témoignage. La mère à qui elle se confiait, qui l'accompagnait au tribunal pour faire ça, pour sa procédure de divorce. La mère là, voulait positionner sa propre fille sur le mari de la femme en question. Maman! Et la mère a fait quoi? La mère a appelé son mari en septembre. La jeune fille a suivi une conversation entre sa mère et le mari. On va t'appeler Cendrillon encore. Elle appelle le mari de Cendrillon. Il n'y a pas les veuves ici dehors. Elle veut montrer quoi? Ne paye pas la pension des enfants ce septembre si on va voir comment elle va faire. La fille est venue dire elle est venue dire. Non, l'autre là, c'était pas chez Bang. Tu te rappelles de l'histoire? Hein? C'est la jeune fille qui vient dire à Cendrillon que tu es là, tu aimes ma mère tous les jours, tu lui dis tes choses. Et que tu sais que l'autre jour, elle a appelé ton mari pour lui dire de ne pas payer la pension de tes enfants. Quand elle a confronté la femme l'a toisée. Elle ne s'est pas justifiée, elle n'a rien dit. Elle a toisée, elle est sortie, elle est partie. La sagesse manque à beaucoup. Et elle n'apprend pas la leçon, ma chérie. Quand tu parles apprendre la leçon, ça veut dire quoi? Elle va tomber dans le même piège. Encore, 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 encore. Après, voilà. Après elle meurt, on l'enterre. Beaucoup de vos parents sont morts par bêtise. Ma grand-mère, j'ai rencontré une dame l'autre jour qui parlait, qui la connaissait. Et la dame dit que quand je me suis mariée, j'étais jeune, j'ai rencontré ta grand-mère. Elle m'a dit que tu me vois comme ça. Ma grand-mère s'est mariée avec mon grand-père. Peut-être 10 ans plus tard, il a pris une deuxième femme. Donc, elles ont passé au moins 20 ans dans le quartier en tant que... C'est après qu'ils sont morts en l'espace de quoi? 4 ans, ils sont tous morts. 4, 5 ans, ils sont tous morts. Elle dit que ta grand-mère m'avait donné un conseil. Les copines. Elle dit que n'aime pas de copines. Quand tu vois mon mariage comme ça ne donne pas.
Et ma grand-mère est morte, elle n'était plus jamais revenue avec mon grand-père. Que ce sont les amis, ce sont les copines qui m'ont mis là où tu me vois là. Que fuient les amis. Mais comme on a parlé comme ça, est-ce qu'elle avait alors compris? Aujourd'hui que je vous parle d'elle comme ça, elle a toujours des copines. Il y en a parmi vous que la sagesse qu'on vous donne ne vous aide pas. I want to sit down. La sagesse qu'on vous donne, ça ne vous aide pas. On fait n'importe comment. N'importe comment. Si tu écoutes ça, peut-être avec ton gars, alors c'est grave. Si tu es avec ta meilleure copine, alors... Que ta femme la raconte même quoi comme ça. Change le direct là. Elle raconte quoi comme ça. N'est-ce pas? Cette personne est... Très souvent, vous sentez les signes, mais vous ne savez pas. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Tu ressens les signes, hein, mais tu n'arrives pas à... There's something off, but you cannot put a finger. Quelque chose ne marche, est off, mais tu n'arrives pas à identifier ce que c'est. Tu n'arrives pas. Je sais, tout ce que je sais, c'est qu'il y a un truc ici qui ne va pas. Et ce sont des personnes qui ont des petits signes. Genre, ils mentent de temps en temps. Et parfois, ils mentent sur des trucs qui sont tellement... Pourquoi tu mens pour ça? Like, why would you be lying? Et généralement, ce sont des gens qui n'ont pas de substance. Toi, étant donné que tu es vrai, quand tu dis quelque chose, tu fais, ça donne. Tu la rencontres, tu lui montres, elle fait, ça ne donne pas. C'est parce que le cœur de la personne là, son cœur même n'a pas changé. Parfois, on me demande que quand les gens font le mal, ils ne savent pas que c'est le mal. Quand on voit un film ensemble, on connaît qui est le mauvais, non? Hein? Est-ce qu'ils sont, ils oublient seulement? Ils sont amnésiques? Quand quelqu'un te fait du mal, est-ce qu'il a oublié? Donc, comme il est devant toi, tu n'as pas dit quelque chose, il part, il ment. Mais il ne sait pas que c'est le mensonge. Hmm? Sans compter ceux qui empoisonnent alors même d'autres. Donc tu, ça veut dire que parfois j'essaie d'imaginer la scène quand tu cherches le remède pour empoisonner quelqu'un. Enfin, ce truc, on va pas appeler ça remède, ça ne soigne pas. Ça veut dire que tu pars, tu demandes que est-ce que vous avez quelque chose que quelqu'un peut donner à quelqu'un, il meurt. Quand tu prononces ça de ta bouche, ça résonne comment pour toi, toi-même? Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Hein? Hé, hey, maman, tu as dit, au lieu de se séparer de ce genre de personnes, il pardonne. Et il reste. Parfois, hein, Dieu te délivre seulement quand il te sépare de quelqu'un. Parfois, Dieu te délivre seulement en te séparant de quelqu'un. Parfois, Dieu te délivre seulement en te séparant de quelqu'un. Parfois, Dieu te délivre seulement en te séparant de quelqu'un.
Parfois, Dieu te délivre seulement en te séparant de quelqu'un. Parfois, Dieu te délivre seulement en te séparant de quelqu'un. On a fabriqué ça hier, il y en a. Donc, il faut attendre Sophie. Donc dites au client que ce sera dans l'après-midi. Dites que ce sera l'après-midi qu'on va lui envoyer le kit des envoûtements. Souvent toi-même qui va forcer l'amitié. Alors que Dieu te délivrait. Aïe. Ah, yeah. Regardez, attendez. J'ai même écrit ça. Comme tu dis qu'elle vient pleurer là tout le temps. Voilà. Ça, c'est un des signes pour savoir que tu es dans une relation avec quelqu'un ou quelqu'une qui te manipule. La personne te fait te sentir mal de te séparer d'eux ou d'elle. La personne fait, tu te sens mal. Et ce sont généralement des personnes instables. Genre, elle fait la gentille aujourd'hui. Quand vous avez un petit problème comme ça, la maman, les injures qu'elle te donnait, tu confirmes le code. Les injures. Après, quand tu dis que c'est fini, ne me contacte plus, ta ta ta. Ouais, maman, si j'étais offensée, maman. Prenez la décision de ne pas prêter votre argent aux gens qui vous entourent. Ne prêtez plus l'argent aux gens. Vous suivez. Vous suivez. Ne prêtez plus. Oui, mais veille. Parfois, on n'accepte pas la séparation. Ne demandez pas l'argent de quelqu'un. Ne donnez pas votre argent à quelqu'un pour attendre après. Il ne va pas donner. Et toi, et toi. Parfois, quand tu demandes ton argent, c'est comme si tu étais mauvais. Ah, je te demande encore seulement mon argent. Je cours encore seulement derrière toi pour que tu me donnes mon argent. Le vol de destinée, c'est dans tes projets. Parfois, quelqu'un se rapproche de toi pour qu'avec ton énergie, ton intelligence, tu parles sur lui tout le temps. Fais comme ça, non? Fais comme ça. Tu lui donnes les idées qu'elle-même, elle n'aurait jamais eues. Si tu la laissais seule, elle n'aurait jamais eu l'idée de demander le visa pour aller en Belgique. Hein? Tu la motives, tu pousses, tu donnes l'idée, tu pousses. Elle fait son visa et pas. Oui, parfois tu demandes ton argent, t'insulte.
Décidez que votre argent ne parle plus à quelqu'un. On va vous tester ce soir ou demain. Il ne donne pas. Je ne serai pas la première à être méchante à tes yeux, je m'en fous. Ça, c'est mes cours, on a donné ça à l'école aux enfants. Parce qu'il y a des enfants qui, naturellement, ils ont ça. Ils comprennent ça. Ils savent manipuler les autres. Si on avait enseigné à la moyenne des enfants comment se protéger, oh, ce serait super. Parfois, vous pouvez tous aller dans une école de pauvres. Mais parmi vous, il y en a qui sont destinés à réussir. Celui qui sent qu'il est pauvre, il vient d'une maison pauvre, il sera toujours pauvre. Il vient s'accrocher à toi. Il s'accroche. Parfois, même il y a des enfants que vous prenez chez vous. Faites attention quand vous adoptez des enfants. Tu peux prendre un enfant qui n'est pas biologique. Il vient, il veut voler la destinée de ton enfant biologique. Et je ne blague pas, je mesure mes paroles. C'est pour ça que quand on aide de loin. Tu prends l'argent, tu fais. Je suis ici, tu es là-bas. Je ne tente pas. Je suis ici, tu es là-bas. Beaucoup s'accrochent pour que tu les boostes. Oui. Il te parle d'un problème, tu lui donnes la solution. Il te parle d'un problème, tu le motives. Tu donnes l'idée, quand ça marche, ils ne te disent même pas. Quand l'idée marche, ils ne te disent même pas. Et bon, elle s'est mariée, elle ne m'a même pas dit. Yeah. J'ai payé ton école, tu as passé, tu ne me dis, tu échoues, tu ne me dis même pas. Tu passes, tu ne me dis même pas. Yeah. Il y a des enfants qui ont compris ça. Ce n'est pas parce que tu vis chez moi que tu es mon enfant. Écoutez, je vous dis souvent que je fais la discrimination chez moi et je ne m'en excuse pas. Voilà, haut les mains. Oh, ah. Même parmi mes enfants, tu m'aimes et tu m'obéis, je t'aime. Le volume est bon. Ce n'est pas parce que vous m'appelez tous maman. Je sais que je n'ai pas cette place dans votre cœur. Enfant mesquin. Enfant mesquin. Manipulateur de ses frères. Enfant mesquin qui manipule ses frères. Non, c'est l'enfant de ma soeur que j'ai pris pour mettre chez moi. Oh loulouloulou. Oh lolo. Non, je fais la discrimination, je fais. Observez souvent le caractère des enfants. Observez souvent le caractère des enfants que vous tenez. Parfois, quand tu vois un enfant un peu, un petit truc, un période comme ça, ou bien c'est un oncle qui vient. Il commence à lui donner un peu l'argent. L'enfant devient arrogant. Quand tu étais ici, c'est seulement moi qui m'occupais de toi. Tu étais humble. Tu étais apparemment humble. Comme ta mère est revenue. Comme ton oncle maintenant se rappelle de toi. Hé, hey, Joanna, moi, mes enfants connaissent. Et fais toi des mots dessus. Je te tape même. Nos enfants. Je vous dis que cette affaire, ce sont des esprits. Et chacun a son esprit. Parfois, l'enfant que tu as accouché, tu vois le comportement fait qu'un genre. Un comportement de un genre, chicote de un genre. Ou de deux genres. Oui. Je te sors la chicote de deux genres.
Tu veux me montrer quoi? Tu veux me montrer quoi que je n'ai pas encore vu? Faites très attention à ces gens-là parce qu'ils peuvent dire des choses très négatives à vos enfants. Ils peuvent dire des choses très négatives à vos enfants. Très. Tu demandes à ton enfant que qui t'a dit ça? C'était pas pour. C'était pas pour qu'il m'avait dit. Parce que tu as laissé ton enfant avec quelqu'un que tu ne devais pas. Souvent, ces personnes font qu'on ne peut même plus faire confiance. On se méfie tellement que même ceux qui viendront avec de bonnes intentions seront refoulés. Si la personne vient avec les bonnes intentions et que c'était vraiment pour toi, la personne va attendre le temps qu'il faut ou bien va passer le test. Je me dis maintenant que c'est comme dans l'armée, non? Il y a des grades comme peut-être être pilote. Est-ce qu'on prend n'importe qui pour qu'il soit pilote? Il y a des standards. Et quand tu viens, tu veux, on te met sur les tests. Tu passes un, tu passes. On check. Est-ce qu'il a fait tous les tests? Oui. Est-ce qu'il a le résultat qu'on a demandé? Oui. Quand tu vas commencer à mettre tes standards, tu vas te rendre compte que parfois tu vas même penser qu'il faut même 5 vies avant que tu trouves l'homme de ta vie. Il te faut 5 vies. Mes standards sont, j'ai dit que c'est, même pour les employés, parfois tu as un standard, avec les standards là, tu vas trouver quel employé. C'est là, l'employé qui veut passer, qui ne passe pas les tests. Vous ne savez pas ce que ça fait. Quand tu coaches quelqu'un qui est coachable, quelqu'un qui veut se laisser coacher, ça t'apporte même toi-même de la valeur, toi la coach. C'est pas seulement au coacher que tu donnes la valeur, toi-même qui coach, parce que tu es content de ton résultat. Je me rappelle quand j'avais lancé mes programmes de coaching. Au départ, je prenais n'importe qui. Non, maintenant là, je te tourne d'abord. Je te passe le test. Tu ne passes pas, il ne te prend pas. De toutes les façons, le coaching, ça prend trop de temps sur quelqu'un. Donc, c'est des trucs que je fais très, très, très peu. Ça prend trop de temps. Et si tu ne mets pas tes limites, souvent, tu peux commencer à coacher quelqu'un, il te manque de respect. Parce qu'il a une attente de toi. Il a quelque chose qu'il attend. Comme je vais donner 1 million, il faut qu'elle me fasse ça, ça, ça. Ok, t'es 1 million. Plus le programme de coaching est même cher, moins ça te prend d'énergie. Vas-y, quelqu'un est prêt à porter autant d'argent pour venir te déposer que non. Guide, suis. Quelqu'un peut te payer. Quelqu'un peut te payer seulement pour que tu apportes tes idées, la lumière sur ces choses. Ta lumière. Il te donne 4 millions. Tu l'aides sur un business qui va lui donner 500 millions. Tu ne l'as pas expliqué. Et ta stratégie fait qu'il obtient ça. Donc arrêtez. Il ne sait pas si quelqu'un peut trahir quelqu'un comme les employés. Donc les gens, on ne met pas le cœur sur les employés. On ne met pas le cœur. On ne met pas le cœur. Vous devez pratiquer l'art du détachement. The art of letting go. The art of letting go. I have to let you go. Les employés ne sont pas dignes de confiance. Il n'y a personne de plus infidèle que les employés. Bonjour Yvan. Merci.
Quand tu coaches quelqu'un qui est coachable, ma soeur, tu as fini avec le français. Les Camerounais, je vous donne les mêmes walaïs. Mais évidemment, vous pensez que quand on dit continent, galaxie, là, c'est pourquoi? On doit quand même maintenir notre... On a maintenu quand même notre statut. On n'est plus dans le football. Il faut qu'on se défende quand même avec notre position. Positionnement mental. J'ai acheté une babouche un jour, non? J'ai acheté une babouche, c'était un peu comme à Jérusalem. J'ai acheté ça. J'ai trouvé les gars, les cordonniers ambulants là, non, qui tapent leur truc là, ils tapent comme ça, ils tapent. Voilà, j'étais au salon de coiffure. Pendant qu'on coiffait ma fille, il est passé. Je lui ai donné mes chaussures, que bon, faire avec le fil comme ça, ça ne va pas. Trois jours plus tard, je suis allée, j'ai une maman à Bépanda qui fait le poisson bosé, c'est bon jusqu'à. Je suis allée chez elle acheter mon poisson. J'ai mangé bien. Tu vois, quand tu veux te lever, tu veux taper les styles pour marcher là, non? Parce qu'elle fait ça, quand elle fait, tu manges sur le tabouret. J'ai fini, je la paye, après je dis bon, la mère. Je me tourne pour partir. La chaussure que j'ai arrangée à trois jours me lâche. Les employés sont comme ça. Aïe. Bon, c'est quand même... Je leur dis souvent que je vous utilise pour l'argent. Et vous-même, je sais que vous m'utilisez pour l'argent. Quand il n'y aura plus, je vais voir si vous allez rester. Et j'ai déjà vu au moins passer 70 employés dans mon entreprise. En 3 ans de service. J'ai vu au moins 70 déjà. Et dans le tas, il y a eu 3 ou 4 qui m'ont marqué. Oui. Des personnes qui m'ont marqué. Genre, ils s'asseyent pendant que les autres employés sont en train de comploter. Après, ils disent que non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. On vient vers eux, on leur dit non, faisons comme ça ensemble. Non, je ne peux pas. J'ajoute même encore un à ma liste. Celui-là n'avait pas duré. Celui, le petit que je vous dis qu'il était... mon numéro, c'est le 237. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Cameroun, il y a le Gabon. Donc 237-693-50-22-66. Pour la Côte d'Ivoire, c'est le 07-79-02-52-05. Non, tu discutes, tu fais comme si tu ne me connais pas, tu discutes. Il a vu qu'il a rien de pays, il va venir pointer sa journée sur nous. Ok. Oh. Non. Tu lui dis que tu vas lui donner 5 000 et tu payes son taxi pour tous les déplacements. S'il ne veut pas, il laisse. C'est quoi? Wonderful, Panama. Le numéro d'Abidjan, c'est le 07-79-02-52-05. Le petit là, il avait 22 ans. Il était arrivé en entreprise. La période là, il y avait des personnes dans mon entreprise qui volaient pour aller vendre aux gens dehors. Il y avait quelqu'un qui était à l'accueil. Donc, quand les clients venaient, en cachette, ils prenaient leur numéro. Et elle allait leur vendre des produits dehors, hors de l'entreprise. Je ne savais pas. Donc, j'embauche le petit. 22 ans, hein. La personne qui faisait ça devait avoir 47, 48 ans.
Le petit m'appelle un jour, il dit, marraine, je ne peux pas laisser. Je suis arrivée, les deux personnes m'ont appelé de côté. Ils me disent que tu sais, quand on est dans la mangeoire, on doit manger. Quand on est dans la mangeoire, on doit manger. Tu sais, prends de quoi noter, Prisca. Je suis sûr que tu n'as pas de quoi noter. Je vais te donner bientôt. Tu sais, nous, on a un système ici, là. On sait que toi, on t'a mis pour répondre au message. Donc, de temps en temps, tu peux... Il m'a appelé, il m'a dit cash. Il n'a pas voulu savoir s'il allait perdre son numéro, son poste. Il n'a pas voulu savoir s'il allait perdre... J'ai dit, bah, si à 22 ans, tu es aussi droit. Franchement, ça fait 2 ans, mais ce jeune homme m'a marqué. Il m'a marqué. 2 mois plus tard, on avance. Il est toujours dans la même entreprise. Finalement, on a démantelé le système et ils sont partis. On les a chassés. 2 mois plus tard, sa propre mère, j'ai travaillé sur le petit Alexandre. Vers mars, il a eu son visa. Sa mère avait fait les choses de telle façon que quand il partait faire même test de langue, test médical, le jour même de la demande de visa, prise des empreintes, chaque fois sa mère disait qu'il partait chez le psychiatre ou chez le psychologue. Je me dis qu'au Cameroun, qui part aussi chez le psychologue au Cameroun? Donc sur 3 mois, chaque fois il disait qu'il prend les permissions de maladie. Je me disais, mais c'est bizarre. Et la totale, la période du voyage, elle calcule, parce qu'elle savait qu'il était peut-être parti le 20 comme ça, et on devait le payer 10 jours plus tard. Elle dit qu'il est malade encore. Je l'appelle, j'appelle la maman du gars. Je parle avec elle, je dis, ouais maman, je ne comprends pas. Depuis 3 mois, il prend trop de pauses de maladie comme ça là. Ouais, tu es sûr qu'il ne faut pas qu'on passe un bon travail sur lui. Il me dit qu'il est au village, qu'on est en train de le soigner au village. Le temps de le payer. Et quand elle dit comme ça, je donne même 15 000. Hein, que maman, ça fait à 10 jours, ça veut dire que la perfusion, paye même une perfusion, tu mets sur son corps avec. Je demande que de déposer 15 000 au garçon. Ça devait être 10 ou 15 000. 10 ou 15 000. Quelques jours plus tard, le petit m'écrit. Il dit, madame, je ne veux pas vous mentir. Je sais que vous êtes une bonne personne. Ma mère m'a demandé de ne pas vous dire, mais je ne suis pas malade, je ne suis pas au village. Je suis en bain. Ah! Et je suis restée comme ça, là. Ah! Non, je dis que non, je vous tire le chapeau. Le petit. Imagine un enfant de cet âge. Non, franchement, moi, ça m'a... Donc, le petit m'a impressionné. Le petit m'a impressionné. Ah! Les gens, parfois, c'est comme s'ils ressentent le besoin. C'est comme s'ils doivent. Il y a une nécessité de mentir, de voler, de faire du mal. Et ceux qui volaient dans l'entreprise, c'est pas que je les payais pas. Je les payais. Un employé ne peut pas vous dire qu'elle a fait 1 mois et ne m'a pas payé. Comme on dit souvent que j'ai fait 6 mois, on ne me payait pas là. Après, la personne se lève, il part pour voler. Donc, le numéro du Gabon, c'est le 074 18. Bonjour, bonjour, Tati. Je vais super bien.
Quand tu sais, ce sont les paroles vides. J'espère que ta matinée se passe bien. Je n'aime pas. J'aime pas les conversations vides. Je suis désolée. Tu veux quoi? Tu m'as dit bonjour, j'ai compris. Allô? Oui, vous n'avez pas été avec celle qui a marqué Pella. Pourquoi vous n'êtes pas parti avec elle déjà pour demander, pour voir? Et pourquoi? Mais faites ça rapidement. Vous-même aussi, vous ne pouvez pas mettre l'accent sur les choses. Quelqu'un dit que oh, je n'ai pas le temps, je suis ceci, c'est là. Je veux seulement qu'on vérifie si c'est là. Si ce n'est pas là, on sait quoi faire. C'est tout ce que je veux. Oh. Je n'aime pas la lenteur. Non, vous tournez, vous tournez. Je n'aime pas négocier avec les gens. Attendez, peut-être qu'on a déjà fini, mais bon, j'ai mes deux, trois trucs d'abord. Ok, j'ai fini. Ok, voilà le numéro du Gabon. La personne qui demande le numéro du Gabon, là-même, elle n'est même plus là. Je vous connais très bien. Tu as noté le numéro du Gabon. Moi, je vous connais. Bonjour, Kaba, comment ça va? Je vous connais très, très, très bien. Vous savez, je n'arrive pas à stresser quand les followers viennent pour leurs choses. Parce qu'ils vont te faire stresser comme ça là. Ils vont te faire stresser. Après là. Bonjour Amandine. Tu as disparu, ça fait longtemps. Miracle worker. Miracle worker. Come and look, a miracle. Miracle today. Come and look, a miracle. Miracle today. Destiny changer. You are a destiny changer. Woo! Come and change a destiny. A destiny today. Come and change a destiny today. Your name is Yahweh, your name is Yahweh. You're a miracle working God, your name is Yahweh. Tu sais quand même qu'on ne peut pas te faire tomber, non? Tu sais ça? Tu vas voir comment les gens vont tomber après toi. Ouais! Tu sors de leur vie, ils tombent comme ça, comme le caillou dans l'eau. Oh Dieu, your name is Yah, your name is Yahweh, you're a miracle working God, Yahweh, powerful healer, you are a powerful healer. Come and heal, so powerful today. Come and heal, so powerful today. Powerful healer. Il y a des gens qui sont venus dans votre vie. Ils pensaient que la femme s'y va tomber quand je vais sortir. C'est moi qui l'a fait. Elle, c'est moi qui l'ai fait.
Vous serez surpris de voir que quand ils vont sortir de votre vie, au contraire, vous serez de mieux en mieux. Répétez, de mieux en mieux. Ce n'est que le début de votre ascension. Ce n'est que le commencement de votre ascension. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, Jéhovah, que toute personne qui vous a manipulé, je coupe cette corde de manipulation. Tout endroit où on te contrôlait, je casse la caméra de cette personne. Toute caméra qu'ils ont mis pour voir ce que tu fais, je brise la caméra. Toute personne qui est avec toi, qu'on appelle tout le temps pour avoir de tes nouvelles, pour te checker. Je chasse cette personne d'à côté de toi. Je vous ai raconté l'histoire d'une femme qui voulait tellement du mal à sa copine qu'elle s'est liée d'amitié avec l'employé du mari de cette dernière. Elle donnait le remède à l'employé de verser devant la porte et dans le bureau de son patron parce qu'elle voulait prendre le mari de sa copine et elle-même elle était mariée. Tout remède qu'on a envoyé, qu'on a versé chez vous, dans vos, en bas de votre chaise pour vous faire du mal, j'annule le pouvoir. Tout le monde est fait avec les incantations, avec les paroles. Donc avec la parole, je peux briser cela. Je brise toute incantation, tout sortilège dont vous êtes victime. Le kit sirène, c'est 200 000, s'il vous plaît. 200 000 francs, CFA, CFA, CFA. Il y a tout dans le kit sirène. Donc tu achètes ça. Prends, tu ouvres d'abord, ne prends aucun produit, prends d'abord le kit là. Le numéro, c'est le 237 6 93 50 22 66. Évitez les arnaqueurs. Nous sommes à Douala, nous sommes à Yaoundé, nous sommes à Abidjan. 07 79 02 52 05, ça c'est pour Abidjan. Toute emprise de l'ennemi sur votre vie, je détache, je détache, je détache. Toute personne, qu'à chaque fois que vous voulez partir, la personne pas encore vissée, la personne pas encore vissée pour vous attacher. Parfois tu découvres une vérité, hey, j'ai vu qu'il me trompe, je pars. Le lendemain, tu es en train de préparer pour qu'il mange. Tu vas encore te coucher. Mais oh bébé, tu ne viens pas. Parce qu'il te manipule quelque part. Toute maîtresse de ton mari qui te manipule et qui pratique sur toi, je te sors de l'emprise de cette dernière au nom de Jésus. Tout homme qui allait te vendre à sa maîtresse, donner ta photo, donner ton nom, donner tes détails, tes vêtements, l'amener dans la maison pour qu'elle prenne de quoi tu te travailles sur toi de en mauvais. Je te libère de ces mauvais sorts. Je te libère de ces mauvais sorts. J'appelle la justice divine pour que ça parle dans ta vie. J'appelle la justice divine pour que ça parle dans ta vie. Je demande que tu sois justifié. Je demande que tu sois justifié. Tout tribunal spirituel où ils ont pris un avocat qui a parlé contre toi. Seigneur, regarde toi-même que ces offrandes parlent pour elle. Que ses bienfaits, ses aumônes, les dons qu'elle a fait aux orphelins, les personnes qu'elle a aidées, les personnes qu'elle a conseillées, Seigneur, que ça parle pour elle. Papa Yahweh, rappelle-toi de ta fille, rappelle-toi de ses aumônes, rappelle-toi de ses aumônes, Seigneur, rappelle-toi de ses aumônes, rappelle-toi de ses aumônes. Comme tu regardes l'argent ici, comme tu regardes ça, j'appelle ton argent des quatre coins de la terre, partout où on a caché ton argent, j'appelle, 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 j'appelle. J'ouvre ton commerce, que les clients viennent de plusieurs autres continents, que tes devises se multiplient. Que tes devises se multiplient. Toute personne à qui tu as parlé d'un business qui allait marcher, et la personne parce que la personne avait le mauvais œil, ça s'est gâté. Je remets ton nom dans l'esprit de ces personnes. La multinationale qui voulait que tu les représentes dans ton pays, je te remets dans leur esprit. Il y a beaucoup de vols de faveur ici. Je te remets dans leur esprit au nom de Jésus. Je te remets dans leur esprit au nom de Jésus. Je te remets dans leur esprit au nom de Jésus. Je te remets dans l'esprit au nom de Jésus. Reçois la sagesse. Tu n'es plus bête. Dis, je ne suis plus bête. Je ne suis plus bête. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Comme j'ai enseigné que ta sagesse ne te quitte plus. Que ta sagesse ne te quitte plus. Ils t'ont voulu du mal, mais le Seigneur l'a transformé en bien. Ils t'ont voulu du mal, mais le Seigneur l'a transformé en bien.
Je te recharge d'énergie positive. Je te recharge, je te recharge, je te recharge. Que le Seigneur lui-même descende pour te sauver de ces griffes dans lesquelles on voulait te piéger. Reçois la sagesse. Tu sais quoi faire. Reçois la sagesse. Tu sais quoi faire. Cette situation, on croyait qu'on t'avait bloqué. Ils croyaient qu'ils t'ont coincé. Tu n'es pas coinçable. Daniel avait une onction qui dénouait les nœuds. Tout nœud sur ta vie, je viens dénouer. Tout nœud sur ta vie, je viens dénouer. Je viens dénouer tout nœud. Tout nœud sur ta vie, je viens dénouer. Le numéro du Gabon n'a pas WhatsApp. Écris sur le numéro du Cameroun. Si tu veux appeler sur le numéro du Gabon, tu appelles en direct. Et Prisca, ne me dérange pas. Si tu es quelqu'un qui dérange, tu es tombé au mauvais endroit. On ne me dérange pas. Je ne suis pas dérangeable. On a parlé de tout, non? Et a posté ceci. Avant de compter. Regardez. Comment savoir qu'on travaille sur moi? Il vient de poster ça. Un coup tu veux pas.
savoir que tu es manipulé spirituellement. Si tes guides sont puissants, la personne t'a peut-être manipulé pour l'instant. Mais tu veux lui faire du bien, ça bloque. Tu veux lui faire du bien, ça bloque. J'ai une fois comme ça, j'ai eu un employé. Première semaine que je l'embauche, je vois c'est tout ce que je peux faire avec lui. J'avais oublié l'état de son cœur. Tac, je lance son passeport. Il dit que dès que ça sort, le passeport prend. Donc la jeune fille approche. Je suis devenue de plus en plus intolérable à la merde. It's better to be alone. Parfois, c'est bien, tu es seule, tu, like, you know, tu sais comment gérer tes choses. Parfois, c'est bien. Ok. Allez chez lui, il va m'appeler, je vais vous dire. Il va lui dire, il va vous donner. Allez-y. Allez sans le téléphone. J'ai trop d'affaires à gérer. Je dois arrêter le direct. À tout à l'heure. Allez regarder mes autres vidéos. J'ai fait des petits shorts.